Et bah, c'est Aki qui vient là pour te donner des cafés. C'est pas mal ça aussi. C'est. Alors, t'es à moitié déçu et à moitié t'es content, quoi. Ça. C'est comme si que genre je me faisais tatouer hein, et ma mère elle est contre les tatouages, mais seulement il y a écrit I love mom sur mon tatouage. Hein. C'est un peu la même chose, Allez, c'est non? ça, c'est exactement ça, oui. Et voilà. Alors, hein, est-ce que j'ai des trucs à faire? De quoi, mais Alphine? Est-ce qu'il y a des rendez-vous psy à faire? Aucune idée. Moi, je sais que ce soir, il faut que j'arrive à choper Monsieur Ad. Monsieur Adin, tu veux lui ajouter quoi? Anne, Ad, Ad. Anne, pourquoi? Allez. Et ben, pour lui parler du vieux qui fait chier dans son De groupe. quoi j'ai tout pété? Ah ouais, ah ouais, ah oui, ah oui, ah ouais. Ah ouais, de ouf. Ben, tout c'est Sinon. qu'il est un petit peu tôt, oui. Ouais, bah ouais. Sinon, je suis sûr. J'en parlerai fait marin. Maintenant que je sais qu'il est amoureux de moi, ça se trouve, il va lui casser la gueule. Ben non. Parce que du coup après on pourra t'incriminer pour complicité ou commanditaire. Ah Et ouais. si jamais c'est relié, ben c'est un crime et donc du coup tu perds ton job. C'est agaçant ça. C'est embêtant. Comment je ferais pour devenir Sans compter de la professeur? prude, tout ça quoi. Ah ouais, c'est nowhere. Et retour aux OMS, c'était pour une déshydratation. Eh Allez, bien j'ai reçu. reçu. Aussi quand les gens ils apprendront à boire. Oh, c'est clair. Hein. À chaque fois, je fais un cher hein, quand j'apprends que c'est déshydratation. Pour l'apprendre. Moi je leur dis qu'ils vont pas vivre très longtemps s'ils oublient de boire et de manger. C'est clair, c'est quand même le réflexe primaire, quoi. C'est honteux les gens qui tombent malades et qui tombent comme ça. Ah bah ouf. Allez, hein, je passe un petit coup de fil. Il va sûrement pas être là. Hein. Comme tous les gens qui veulent prendre un rendez-vous psy, hein, ils sont jamais là. Qu'est-ce que quoi, hein, je vais prendre un rendez-vous psy sur Jean. Ok, je rappelle. Ok, y a personne. Ok, salut. Hein. Gros nul. Après les 19h. Est-ce que c'est mon problème, hein? Non, c'est un fait. Voilà. Ah d'ailleurs, vente aux enchères, sort des bouts. J'ai dit, demander à Hugo de faire l'affiche. Finalement, on a dit, enfin, finalement, on m'a dit, ouais, ce serait peut-être mieux que ce soit Robin. Du coup, j'ai envoyé un mail à Robin. Robin, elle a fait, C'est qui Robin? Robin, c'est une nouvelle du live qui fait des affiches plus belles. Hein. Et d'accord. Voilà, mais du coup, on te payera 4 000, 5 000, un truc comme ça. Bon, ça va quoi. Non, je crois qu'on va rien payer du tout. Bah du coup, sinon on peut demander à Hugo de faire l'affiche, hein, mais après Non, c'est... parce qu'il me semble qu'il y a un truc maintenant comme ça avec l'événement et les trucs caritatifs. Bah ouais, bah c'est pour ça on paye que 4 000, elle nous fait l'affiche et diffuse, quoi. Et du coup, j'ai demandé en même temps dans la lignée hein, si elle pouvait nous faire un petit dessin ou un truc en mettre aux enchères, quoi. Ok. Voilà. Du coup, il y a Hugo qui est prêt, hein, au cas où, pour créer une affiche en 2-2 et faire un truc. Et Ok, Arthur, ça marche. du coup, il est en train de faire la collecte des gains, enfin des cadeaux. Hein. Ouais. Et voilà. Et on Et est en la train de... relation avec les trois loustiques, là? Alors, Arthur, il m'a dit qu'il fallait juste parler au responsable du tequila là et pas parler aux deux autres loustiques ou je sais pas quoi. Et c'est qui? Il l'avait envoyé par message, non, dans la discussion. C'est possible. Mais vous êtes rentré en contact avec lui. Ouais, c'est Arthur qui gère là-dessus. Ok. Attends. Oui, parce que du coup, c'est mercredi prochain. Bah non, attends, c'est le 1er mars. Oui, c'est mercredi prochain. Bah non. Si. Bah non, on est le 24. Ah oui, il y a combien de jours en mois de février? Oh l'enculé, hein. Ah bah d'accord, salut. Oh l'enfu... Non, pardon, pardon Hugo, mais c'est le mois de février, il m'a surpris. Hein. C'est le mois de février que t'insultes là. Exactement.
Et il a oublié qu'il y avait que 28 jours dans le mois de février. Oui. Oh merde! Ah oui, oui. Bah oui. Ah, pour moi, c'était bon à savoir dans une semaine, quoi. En même temps, c'est vrai, ça change tous les 4 ans, donc du coup. Non. C'est dur de se rappeler, hein, tous les 4 ans. Hugo, t'aurais pas envie de faire une affiche en 2-2? Pourquoi? Pour l'événement de vente aux enchères, hein, du coup, on est un peu plus à la barre que prévu, en fait. Ah oui, bah oui. Il y a 3 jours en moins dans l'équation, quoi. Bah écoute, tu m'envoies en mail toutes les infos. Ouais, je dis bien toutes parce que c'est vrai que la dernière fois pour l'autre affiche, il manquait pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Donc si tu peux tout avoir, la totalité de un petit peu l'idée de l'ambiance de l'événement que t'aimerais, et puis j'essaie de traduire l'ambiance. Alors après, normalement, le gros lot, on sera vraiment au courant ce soir après. Non. Le 26, c'est quand? C'est dimanche. Ouais, d'accord. Après, hein, tu peux mettre un gros lot surprise, hein, et je te donnerai 2-3 lots, hein, qui peuvent donner envie. Hein. Tiens, t'es dit, hein, on a parlé en mettre au lot qu'on peut mettre aux enchères des EMS. Hein, pour une soirée de 1 ou 2 heures, en tout bien tout honneur, bien sûr, hein, t'es pas obligé de coucher. Hein, et les gens, ils enchèrent pour toi, quoi. Oui, c'est possible avec l'accord de la personne, quoi. Bah ouais, mais toi, du coup, est-ce qu'on a l'accord de ta personne pour vendre ta personne, hein? Ah merde. Bah ouais. C'est vrai que Teddy pourrait coûter très cher. Ouais. T'es dit, hein, ça peut valoir de la thune, ouais. Aïe. Salut, Kyle. Et toi aussi, Kyle. Hein. Bah, moi, j'espère coûter le plus cher. Hein. Moi, je pense que tu peux coûter cher. Ouais. Exactement. Moi, je me mets en vente mon cul toute une soirée, hein, ça peut rapporter plein d'argent. Hein. Oh putain. C'est une bonne démarche. Exactement, à partir de 100K de dons, c'est toute la soirée. Hein. Aïe. Est-ce que j'ai le temps, en fait? C'est ça aussi la question. Par contre, il faut une mise minimum de départ pour Teddy. Exactement. Pas en dessous de temps, tu vois. Pas en dessous de 40$. Hein. Un peu plus, mais oui. C'est comme un café, dit, hein. J'aurais dit pas en dessous de 50 000. Pas en dessous de 50 000, hein. Ah bah oui. T'as pas peur du... Ça fait partie des gros lots, tu vois. Ouais. Ah ouais, très très gros lots. Ah bah oui, gros lots, oui. Ah, dans figuré, sens propre. Hein. Non, moi j'ai rien dit là-dessus. Ouais, pardon, je me suis emballé. Pardon, t'es dit, hein. Ah non, mais c'est vrai. T'as pris du muscle derrière moi. Bien rattrapé, ouais. Je pense qu'en fait t'es plus lourd, mais en fait t'es plus dense, mais du coup t'es plus mince. Je sais pas, ça fait un moment que je me suis pas pesé. Ah, voilà. Il va falloir que je fasse ça, bon. Hello Kali, est-ce que je m'en souviens ou pas? Je sais plus. Est-ce que je te l'ai dit? Est-ce que je t'entends? Je suis perdu. D'ailleurs, ça m'étonne que j'ai pas pris plus de cheveux gris avec le dard des bois là. D'ailleurs, t'es dit, hein, faut que je te vois pour parler de 4 trucs. Hein. Non, je déconne, c'était pour Running Gag. Allez, d'accord. Ah, mais c'est toujours disponible. Alors. Oh ouais, non, mais je sais. Ah ouais, attends, du coup, j'envoie un message à Robin pour dire, ok, c'est la merde, t'inquiète pas, on va demander à Nicolas... à Hugo. Hugo, il est là. Ouais. Du coup, tu l'as déjà dit, Hugo. Ouais, bon, mais c'est juste un, vu le temps qui reste. Il faut que j'envoie, faut que je prévienne Robin à lui dire non, mais en fait, c'est la merde. Exactement. Je vais faire ma petite pause parce que là, ça fait quelques heures que... Ouais. Oui, pas de problème, vas-y. Depuis quand, moi? 14 heures. Jamais là, Hugo. Jamais là.
Tu l'as depuis 14h. Ouais. Je sais pas, je t'ai pas vu. Hein. Ce que je vois, c'est que j'arrive en ta pause. Ah oui, c'est sûr, il y avait que Gavin et moi, oui. Tout à fait. C'est... Gavin, il revient pas avant dimanche soir. Ouais. Depuis 14h15, exactement. Et c'est ça. Word. Donc je vais faire la petite pause et puis je reviens. Ça fait déjà 2 heures que je suis dans les parages, en vide derrière. Ouais, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Et bah ça roule, bah écoute, bon appétit à toi. Et à tout à l'heure, bon ça courage. À tout à l'heure. Alors j'en profite pour écrire un petit message à Hugo. Ouais, Kyle, n'hésite pas à m'envoyer des infos, je peux commencer à y réfléchir maintenant. Ouais. Je t'envoie ça tout de suite. Hein. Bah nickel. Je vais monter mon ambulance. Et merci à toi. Bon courage, à tout à l'heure. Merci, hein, salut. Hein. Ah, c'est vrai qu'Arthur il a eu quand même un gros lot, hein. C'est un portrait de un portrait fait par Miozotis. Hein. Ah oui, c'est bien ça. Ah ouais, un portrait de quoi? Un portrait de ce que tu veux. Hein. Moi j'ai fait un portrait de moi, ça coûte 60 000. Ah oui, d'accord, c'est un portrait qui est fait par elle. Exactement. Bah ce que je t'avais envoyé, non, il me semble. De si, hein, la photo de moi, bah c'est elle qui l'avait fait quoi. Ah oui. La plus belle des photos. Dire avec elle j'ai des idées de com pour qu'on recrute avec bio non bah faut qu'elle m'aide mais ouais j'ai avec la photo hein, j'ai des idées de com pour recruter genre un truc du style de MSD Dio, un truc comme ça, ouais un truc comme ça, mais je te ferai la surprise. Allez, d'accord, ça sera fabuleux, hein, mais j'attends qu'elle revienne de sa lune de miel là. Oui, c'est le sang bleu, c'est qu'elle était pas là. Ah non, ouais, c'est la merde. Hein. Moi, j'attends avec impatience déjà pour qu'elle me désente, hein, et qu'elle désente les EMS ou je sais pas quoi. Hein. Et en plus. Quoi? Qu'elle me. Tu savais pas. Hein. Mais en fait, l'autre soir, on est allé dans une mine avec Gavin, Hugo, Sarcha et Damien. Hein. Et en fait, hein, depuis, hein, bah, on est hanté. Hein. J'entends mon nom des fois qui se prononce comme ça. Il y a même des fois des possessions. Ta merde. Genre Ryan, à un moment il a été possédé, il m'a tapé. Hein. Et il y avait pas une dada avec des cheveux roses aussi qui était avec vous, parce que apparemment elle s'est pris un bord sur la gueule tout à l'heure pendant qu'elle était à moto. Et après quand elle est venue aux EMS, le bord l'a suivi jusque devant les EMS. C'est Kim ça? Non, c'était pas Kim. Ah ouais, bah non, bah je sais pas. Bah attends, il y a une autre meuf avec des cheveux roses qui a des histoires comme ça. Ah oui. Oh merde. La nana de la guide là, qui a la crête, je ne sais jamais de son nom. Ah, c'est Len.
Peut-être. Est-ce qu'elle parle en mode un... ah, salut hein. Ouais, un peu, ouais. Ouais, je vois, ouais. Ouais, c'est celle-là. Elle l'a depuis longtemps, c'est ça. C'est oui, pas une nouvelle, hein. Ouais, ouais. Ah oui, non, c'est pas une nouvelle. Ah si, ouais, ça lui ressemble bien aussi comme histoire, hein. Mais non, hein, c'était pas elle, là. Hein. J'ai un peu attention à la guilde, j'ai l'impression... de base, je pensais que c'était des gentils, genre un peu des Robins des Bois, tu vois, mais bon, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas super Robins des Bois non plus. Hein. Oui, c'est... Bah, plus ils peuvent s'en mettre dans la poche, plus ils sont contents. Exactement. Après, ça n'empêche pas qu'ils peuvent être très sympathiques, hein, mais il faut garder ça en tête. Ah ouais, ouais, non, bah ouais, c'est pour ça, moi je m'entends bien avec eux, mais bon voilà quoi, je fais attention quand même. Pas s'attacher à prendre des décisions. C'est comme, ouais, je m'entends bien avec, comment ils s'appellent, Monsieur Rodriguez et Monsieur Guevara, mais les deux, je fais attention, tu vois, c'est... Le but, en fait, c'est que tu peux discuter avec les gens, le but après, c'est qu'il ne faut pas se faire embarquer dans des histoires qui te dépassent. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Après, la guide, ils m'ont déjà emmené voir des fantômes et tout, donc tu vois, c'est bien, mais voilà. Quand ils font leur bail bizarre, j'aime mieux, je suis pas là, quoi. Je fuis. Ouais, t'as été voir la salle d'arcade ? Ouais, bah ouais, j'étais à l'ouverture. Apparemment, c'est un truc de riche. Ah ouais, pourquoi ? 1500 balles les 10 minutes. Ouais, mais après, 5000 balles l'heure, hein, ça va, hein. Oui. C'est enfin, ça va, c'est pas non plus un. Ça va quoi. En plus, apparemment, ils m'ont dit qu'ils avaient un jeu d'amour. Comment ça? Bah, un jeu avec plein de love et tout ça, parce que je demandais s'ils avaient un truc un peu genre à la en mode les anges à la télé-réalité ou des choses comme ça que je puisse jouer. Ils m'ont dit qu'ils avaient Duke Nukem. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de love. Hein. Beaucoup d'amour. Hein. Bon, un peu dur, mais ça va. Faudrait que j'essaye. Je connais pas, tu peux tout à fait essayer, oui. Peut-être que tu vas te découvrir une passion. Peut-être qu'en fait, je suis un gros nerd, moi aussi. Hein. Bah, c'est possible. Après toutes ces heures à jouer à Candy Crush. Hein. Ah, c'est le truc avec les bonbons qui explosent, ça. Exact. Tu joues toi aussi, hein. J'y ai joué une fois, ouais. Ah, t'es quel niveau, hein? 4 ou 5. Ah ouais, d'accord. Pas, on n'a pas le même level. Mais j'ai désinstallé il y a bien longtemps. Ah ouais. Bah, faire désinstaller. Ça a bien grand mot, quoi. Ouais, on va dire que j'ai dû péter 10 téléphones depuis, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, en fait, c'est juste à laisser mourir le téléphone avec l'application dedans, quoi. Oui, c'est ça. Alors, attends... Non. Ah, t'es qui là? C'est T-E-Q-U-E. Comme non. Tequila. Tequila. Comme de la tequila. Et avec deux là en plus. Ok. Non, un là. Non, un là. Un ouais. Seul là, ouais. Tequila là. Oui. Tequila là. Là là. Tequila là. Okay. C'est très calme, hein. Ouais, là, depuis 20 minutes, oui, je sais pas ce qui... Je suis arrivé, ils ont dit, attention, il y a le meilleur MS, on va se calmer. Ouais, c'est ça, ils avaient peur de se faire engueuler. Exactement. En même temps, des fois, ils poussent, hein. Quand je vois un biker qui arrive, il fait, ouais, alors, je me suis ouvert le coude, hein. j'ai mis un vieux chiffon et du whisky. Hein. Non, mais non, my god. No way. Ah, mais c'est vrai que oui, il y en a, ils ont pas inventé le fil à couper le bœuf. Ce qui est bien, c'est que pendant un moment, je disais, vous êtes un gros beauf qui sent l'agneau, là. Ils disaient, quoi, on va te casser la gueule. Maintenant, je dis, vous êtes un gros beauf qui sent l'agneau. Ils font, ouais, probable. Ils s'assument de plus en plus, je trouve. Ah, mais c'est bien. Non, mais c'est ça, ils sont fiers d'eux, hein. Ils sont en lien avec eux-mêmes. Ouais. Bah après, qu'ils soient, s'ils sont conscients de ce qu'ils sont, c'est une bonne chose.
Après, ça permet d'avancer. Ouais, c'est sûr. Ça doit un peu leur brûler les narines quand j'arrive autour d'eux et que moi ça sent bon et que eux ça sent ben. Ils sentent eux quoi. Alors, si ça leur brûle la narine, c'est peut-être pour d'autres choses, oui. Parce qu'ils sont pas habitués à sentir des bonnes odeurs, quoi. Ou peut-être qu'ils consomment un peu trop de choses dans leur caravane dégueulasse. Ah, ça, c'est possible, ça aussi. Hein. C'était des PPA. Non, j'ai fait passer les PPA. Non, bah, tout est bon. Putain, je suis à jour. Par contre, c'est très bizarre parce que avant de partir à Miami, j'avais l'impression d'être slow avec les patients et depuis j'ai l'impression que j'ai perdu tous mes patients. Hein. Bah après, vous êtes deux fois plus nombreux. Ouais, ouais, on n'a pas eu le temps de redispatcher trop avec les autres. Et je crois que j'ai. Non, c'est pas... parce que j'avais Hugo de base, hein. C'est pour ça aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est aussi. Bah, tiens, c'est encore les patients. Hein. Ils demandent des thérapies. Et je fais OK, on fait des thérapies. Et après ils répondent plus. Hein. Après, ils sont plus là. Hey. Et ouais. Bah, c'est pour ça. C'est le truc. C'est qu'il faut. Après, c'est compliqué. Mais il faut vachement être dans l'instantanéité. Mais c'est pas toujours possible. Bah, les thérapies. Si t'arrives à les accrocher une première fois, après, c'est bon. Mais. Bah, même accrocher, en fait. Le problème, c'est que les thérapies, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est pas un claquement de doigts. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est bien aussi si on se retrouve avec une ville pleine de névrosés. C'est bien. Ça nous fera plein de travail. Ah ouais, c'est sûr. J'ai déjà pensé à tirer un petit fil de pêche entre les EMS sur la route là, entre les deux bâtiments. Comme ça, tous les motards, les voitures, tout ça, bam. Et du coup, tu l'as pas fait parce que tu t'es dit que ça pouvait être considéré comme de tentative de meurtre. Exactement. Allez, bien vu. Et après, vu les rumeurs qui vont en ville, on va dire que c'est moi et tout ça, donc j'ai toujours un peu peur. C'est pour dire à quel point les rumeurs vont vite. Hein. L'autre fois, j'étais sur le ponton, j'avais peut-être un peu trop bu au moment de l'ouverture de la salle d'arcade. Hein. Mais j'étais en civil. Hein. Premier truc qu'on m'a dit, c'est t'as pris trop de coke. Hein. Alors que j'avais juste bu un verre. Hein. Merde. Hein. Ou deux. Hein. Enfin, bref. De quoi? C'est qui a dit quoi? Bah, le premier réflexe qu'on m'a dit, hein, c'est bah, Kyle, t'as pris trop de cocaïne. Hein, alors que j'avais juste du calvados et de la vodka, quoi. Ouais, c'est fatigant. Ouais, c'est clair. Bon, ça va se tasser, hein, malheureusement, là-dessus. Vous avez fait un dépôt de plainte là, par rapport à ça ou pas avec Sarcha? Non, j'ai pas fait... chacun de votre côté. Non, moi, j'ai pas fait de dépôt de plainte. Hein. Parce que c'est. Comment dire, hein, ça. Parce que je peux faire dépôt de plainte pour quoi, tu vois, genre pour merde, diffamation. Mais un truc, c'est que j'en ai consommé. Hein. Donc, non, parce que ce qui est dit, la rumeur, c'est pas le fait que t'en aies consommé, voilà. La rumeur, c'est que t'en consommais tout le temps en service. Ouais, bah non, c'est nowhere. Bon, ça, après, c'est ça, en fait, le truc. Après, l'avantage, c'est que... La rumeur, elle dit que juste que j'en consommais. Après, quand c'est comme ça, je dis bah ouais, j'en consommais, mais j'en ai jamais consommé en service, et puis voilà. Mais derrière, c'est qu'en fait, Athénaïs, elle a tellement été rageuse que la rumeur aussi vient que. La rumeur passe que, comme quoi elle s'est fait virer des EMS. Du coup, moi, ça me fait marrer. Bon, après, je suis pas un connard, oui. Bien sûr qu'elle s'est pas fait virer, quoi, mais bon, voilà, c'est très drôle. Ah bah oui, non, mais le truc, c'est qu'à force de rager, de pester dans tous les sens. Elle perd toute sa crédibilité en fait. Et sans rentrer dans son jeu, d'où quand on reste du coup droit dans nos bottes et qu'on répond les gens avec calme et sérénité, et ben du coup c'est elle qui passe pour une conne. Mais du coup, hein, pour la menace de mort, hein, tu penses pas que je devrais porter plainte? Tu veux d'abord aller voir le gars, hein? Parce que ça c'est plus pour ça, ouais. Que j'aurais porté plainte. Hein. Ouais, je vais d'abord aller en parler à leur chef. Ok. Pour régler ça. Si
voilà, soit il lui botte le cul et qu'il vient se présenter ses excuses, soit, bah, soit on fait un dépôt de plainte pour menace de mort sur agent dépositaire de la santé publique. Voilà, parce que là, en plus, il y avait de la police, les petits témoins, tout ça. Quoi. Pas qu'il m'a menacé, mais de l'événement. Oui, mais j'espère bien que les policiers ne t'ont pas menacé de mort, oui. Non, mais que lui m'a pas menacé de mort devant les policiers, quoi. Eh oui. Mire, j'en fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas me poursuivre? Oh, bah non, tu peux pas, t'es blessé. Hein. Non, mais je vais d'abord voir avec lui, là, c'est pour ça. J'ai essayé de l'appeler là tout à l'heure, mais je pense qu'il était un poil trop tôt. Ouais, je vais le recontacter un peu plus tard dans la soirée. Je vais éclaircir tout ce point-là avec lui. Voilà, de toute façon, globalement, c'est simple. Hein. Je veux dire, s'ils ont le droit de pas vouloir se faire soigner par un médecin en particulier, par contre, c'est leur problème, s'ils ont des séquelles. Sachant que, bah, du coup, s'ils ne se font pas soigner sur un truc grave et que bah, ils refusent les soins et qu'ils reviennent après, donc nous, il faudra le notifier dans les messages, des trucs comme ça, et il y a de fortes chances qu'il ait des séquelles, quoi. Parce que bah, si c'est pas les choses, c'est pas traité tout de suite, bah voilà. Et que donc ça déjà de base, c'est son droit, après c'est sa santé, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, la menace de mort, c'est non. Ah, c'est nowhere. C'est non. Et les insultes aussi, non plus. Surtout quand c'est infondé. Surtout qu'en fait, hein, j'y réfléchis. Hein, et je me disais, hein, dans quelle situation j'aurais pu être moins. Parce que tu sais, il m'a menacé, hein, parce que je l'ai pas respecté. Hein. Enfin, que la prochaine fois que je parle comme ça. Mais le problème, c'est que le mec, hein, il me dit « Non, me soigne pas, c'est le toxico. Hein. » Et j'ai fait « Ok, vous voulez pas être soigné, hein, vous êtes sûr ?» Et puis je suis parti. Hein. Du coup, je vois pas comment j'aurais pu faire être moins... Enfin, j'ai pas insulté, quoi. Ouais, oui, non mais... Après, il est juste con. Hein. Oui, il est peut-être juste complètement sénile. Hein. C'est... Exactement. Tu penses que tu veux que je prenne en patient pour faire un bilan psy, hein, ou ça va aller, hein. Ben du coup, vaudrait peut-être mieux que ça soit un des trois autres, quoi. Ouais, peut-être, ouais. J'ai pas envie de te retrouver avec un coupe-papier dans la gorge dans la salle de... Ou alors, on installe un portique de sécurité, hein, avec les beepers et tout. Okay. Ça serait vraiment bien, mais il passerait la journée à sauter le bordel. Ouais, je pense, ouais. Il serait capable de tailler une brosse à dents juste pour me la mettre dans la gorge. J'ai déjà vu ça dans les épisodes de la réalité sur la prison. Ils font ça. Ouais, c'est vrai. Soit ça, ou sinon j'ai vu une émission là, sur des imprimantes 3D qui font des armes en plastique. Ah ouais. Ça va faire gaffe, ça se trouve c'est la guilde, hein, qui font ça. Ouais, c'est possible. C'est qui ? Eh bien le bonjour. Eh, salut. Et comment enfin, vous allez? Bah pas très bien là. Eh, c'est mal. Attends, je vous arrive. Après. Il m'a fait un crochet, je me suis éclaté contre le mur. La merde. Non, un coup de coude. Non, j'ai pas trop envie que tu coupes les jambes à Chao. Allez. Est-ce que tu peux voir avec mademoiselle... Ok. Ah bah suivez-moi. Merci. Du coup, vous êtes smashé sur un mur, c'est ça? Bah en fait ouais, il m'a fait un croche-pied et genre je me suis éclaté tout le flanc droit et ça a bien tapé contre ma hanche, quoi. Ok, on va vérifier ça. Du coup c'est bien un croche-patte, ça, c'est pas un coup de coude, hein. Je sais pas, moi je l'ai senti comme un croche-patte, mais s'il me dit qu'il m'a donné un coup de coude, dans tous les cas je me suis bouffé. Donc... Ouais, dans tous les cas vous êtes votre rire, donc le mal est fait, ouais, quoi. C'est ça. Kai prend salle 373. Hein. Alors, bah du coup, est-ce que vous pouvez enlever le haut, hein, que je vois au niveau du côté du flanc droit, du coup. Oui, je pose ça juste là. Ok, nickel. Alors, ok. Me dites, hein, si vous avez mal. Là, quand je touche. C'est vers la hanche surtout. Okay. Enfin, au-dessus, ah ouais, okay. Au-dessus de la hanche, c'est là que ça fait mal. Ok, bah. Ok, bah ça a juste bien tapé au niveau de la ciliaque. Hein. Du coup, hein, ça vous allez surtout avoir des bleus, je pense.
Vous pouvez faire un squat pour voir. Hein. Déjà que. Ok, nickel. Que j'ai des bleus sur les genoux, génial. Ah ouais. Bah, je vais devenir bleu, je pense, en fait. Ouais, va falloir changer de gang. Hein. Alors, si ça marchait comme ça, je pense que ça saurait. Il y aurait toute la ville qui serait bleue. Ouais. Toute la ville parlerait espagnol, ce serait fou. Hein. Ok, du coup, ça va mieux. Hein. Ouais, ça vous a apaisé. Hein. Ça va mieux. Il faut le temps que ça passe quand même. Je sens que c'est encore un peu douloureux, mais. Ouais, c'est sûr. Mais bon, à mon sens, il n'y a pas besoin de passer de radio, tout ça. Si jamais, bien sûr, ça passe pas. Je ressens etc. quelque chose, ouais, je ressens. Revenez, vous n'hésitez pas, hein, machin. Vous connaissez. Oui. Voilà, je vous laisse vous habiller. Normalement, ce soir, d'ailleurs, je devrais être disponible. Potentiellement, on sait pas s'il y a pas de bain de sang, si moi je suis dispo et toi t'es dispo. Ouais, voilà. C'est ça. On va peut-être réussir un jour. Ouais. Tant qu'on y croit, moi je me dis on va y arriver. Bah ouais, mais le problème c'est qu'en fait, plus on repousse, plus il y a de chances que je croise votre père et plus il y a de chances qu'il me fume. Du coup, j'aimerais bien qu'on en parle. Bah au pire, j'interviendrai dans tous les cas. Non, mais des fois, il est pas forcément. Vous êtes pas toujours ensemble, quoi. Ouais. Et pourquoi il a fait un autre truc depuis? Ah, je peux pas en parler, désolé. Ah. Ah ouais, d'accord. Bah, un secret médical, hein. Ah mais je comprends. Et voilà. Merci beaucoup. Ah bah de rien. Allez, prenez soin de vous et faites attention au coup de coude. Ouais, voilà. Pas ma faute s'il est vicieux là. Non mais putain, là. Des coups de coude croche-patte, hein, ça ressemble à un mouvement de kung-fu. Hein. Tu sais, Nina, qu'il soit vicieux ou pas, vous faites ce que vous voulez dans l'intimité de votre famille. Hein. Ouais, ça. C'est bien de temps en temps un peu de vice. Putain. Ouais, surtout se refaire du placo ou des trucs comme ça, quoi. Ça te fait. Tu vas te faire disputer, Nina. Oui, je viens de voir le message. Ah, l'a déjà envoyé. Ah, bah, disons rapide, athée. Toujours. Ah, ouais. J'existe pas. Je. Ouais. Ah, je te laisse gérer ça. Ouais. Je suis un aquarium. Je vois ça, je reconnais ça. Ça s'appelle une fuite en avant, ça, mademoiselle. Une quoi? Une fuite en avant. Une fuite en. Okay. Mais non, mais c'est le bordel en ce moment. Et du coup, le bordel, ouais. C'est le bordel, ouais. Même pas en plus, tu me laisses faire des questions, je suis déçue. Bah allez viens, je t'embarque. Allez, c'est parti. Allez. Ah bah d'accord. Ouais. Ah bah il a pas voulu que je t'embarque. Allez, juste pendant que vous êtes là, est-ce que vous savez si Ad est dans les parages? Profitez-en, c'est peut-être la seule fois que vous verrez ses fesses comme ça. C'est pas voilà, on retourne, finir le spectacle. Ah putain, non il est pas encore là. Allez, ça marche. Je transmets l'info qui doit passer aux OMS au cas où. Oui, je la rappellerai dans une heure et demie, une heure, un truc comme ça. Je pense déposer, qu'une heure, ça devrait être bon. Au pire, je transmettrai le message au cas où. Ouais, ça roule impeccable. Et merci. Allez, prenez soin de vous. Bonne soirée. Hein. Hop, d'une seule main. Elle est de la triade, elle aussi, maintenant. Comment? Je pense qu'elle est de la triade aussi, maintenant. Dans auto. Ouais, mais elle est quand même vachement rouge, hein. Oui. Oui, mais c'est un peu flou. C'est... Ouais, une relation bizarre avec la triade. Bah, son baril en fait partie. Ça veut dire que Daniel va faire partie de la triade. Hein. Je pense pas. J'en sais rien. Non, Daniel, il a l'air bien ou tout. Ouais, mais si Daniel, c'est l'amant de Athénaïs, hein, du coup, hein, il va sûrement vouloir faire partie de la triade pour être avec elle. Hein. Ou alors, hein, il va aller dans rejoindre coup, un autre gang. Hein. Bah, il va peut-être rejoindre un autre gang pour faire un peu genre Roméo et Juliette. Hein. Ou sinon il va rester auto, comme ça il reste avec elle au auto pendant que son mari est pas là avec la triade. Oh, hein. on voit le mec qui a poutré la femme du patron. Hein. Ah t'as vu. Ah ouais, bien joué. Hein. Ah c'est le talent ça. Exactement. Ça veut dire que là faudrait qu'on aille auto, hein, voir si Daniel il est un peu rouge, s'il est pas rouge, ça veut dire qu'il poutre Athénaïs, hein, c'est ça? Alors, je sais pas si on peut faire des raccourcis comme ça, mais ça peut être un petit indice. Ah ouais. Par contre, si jamais il met du rouge, là tout de suite, là, on peut se dire que
Mais c'est compliqué. Ou sinon, il joue un jeu dangereux, quoi. Ou alors, ouais, je pense plus qu'un... Alors, s'il met pas de rouge, on dit qu'il sort avec, on dit qu'il sort avec Athanaïs dans le dos de son mari. S'il met du rouge, il sort avec Athanaïs dans le dos de son mari, mais de manière encore plus risquée. J'ai l'impression que la fidèle est un peu la bébé. Oh, du coup, Daniel sort avec Athanaïs dans le dos de son mari. Bien joué, Teddy, hein. Super enquête. Hein. J'aurais dû être LSPD, en fait. Exactement. Bah, si tu veux, hein, tente de me faire devenir commissaire de la LSPD, t'inquiète, je remplacerai. Hein. Honnêtement, je pense que je peux m'en passer. Mais ils ont quand même j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'une direction fiable, hein, donc en vrai, hein, ça pourrait peut-être être pas mal. Au moins, on aurait des communications avec eux. Hein. Ah, c'est possible. D'ailleurs, je suis allé les voir par rapport à ça tout à l'heure. Ah ouais, c'est bon, on va en savoir un peu plus. Hein. Alors, non, j'ai fait remonter l'information pour le moment. Attends, j'attends de communiquer avec numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Moi, je parie sur le fait que numéro 1, numéro 2, ça remontera pas jusqu'à numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais ils vont se passer ça entre officiers et en fait, ça va se perdre. Oui. Là, j'en ai parlé à un lieutenant. Il va quand même falloir que je vois au moins le commandant, je pense. Ouais, je pense, ouais. Parce que là, oui, ça fait 2-3 fois, ce niveau communication, l'SPD, c'est très très limite. Ben, plutôt inexistant, quoi. Hier, on a une prise d'otage, il y a une prise d'otage Human Labs. Hein. C'est le bandeau en live qui nous a averti qu'il y avait une prise d'otage. Et longtemps après, on a appris qu'il y avait. Ils nous ont dit de venir. Hein. Il me fatigue, putain. Alors après, on s'est un peu engueulé avec Arthur. Hein. Mais il a dit, hein, c'était sûrement que la zone n'était pas sécurisée, et du coup il nous appelait pas peut-être tant que la zone n'était pas sécurisée. Hein. Ben non, mais du coup on se met à la limite de la zone qui est pas sécurisée, et comme ça on est déjà sur place, quoi. Attends Teddy, est-ce que tu peux... J'ai envie de t'enregistrer, tu vois, là si j'avais une caméra ou une dashcam, et ben, je t'enregistrerais et je rediffuserais ça à toute l'équipe, hein. Absolument tout le temps. Oh my god, faudrait quelque chose, hein. Ouais, hein, franchement. Parce que, genre, hier, hein, j'ai vu le bandeau, hein. J'ai fait, attendez, si Human Lab, faut qu'on envoie au moins une ou deux ambulances, si ça termine en bain de sang, qui aille dans le coin, parce que c'est à 7 km, hein, si c'est la merde, hein, c'est vraiment la merde, et on est super loin. Ben oui, c'est super loin. Et on m'a dit, non, la police de la LSPD nous a pas contacté, on y va pas, et du coup, Arthur m'a fait, non, hein, Kyle, c'est mort, hein. Et tout le monde a dit, non, Kyle, ferme ta gueule, et j'ai fait, quoi, et puis ils ont dit, non, mais ferme ta gueule, j'ai fait, ils ont fait, et du coup, bah voilà. Et finalement, on a reçu un message de la LSPD, et puis, bah, j'y suis allé, et puis on y est allé. Ouais, mais du coup, c'est pour des choses comme ça que, oui. Est-ce que tu peux mettre ça... Est-ce que tu peux mettre ça lors de la prochaine réunion, hein, dire, dès qu'on a une notion, on va sur place, hein, et moi, je me mettrai comme ça, en disant, ah ouais, quelle surprise. Mais en tout... Alors, est-ce qu'il me reste assez de caractère dans ma note pour la prochaine réunion? C'est surtout ça, la question. Tu vas repasser une thèse, tu vas repasser un doctorat de médecine, hein, t'es dit, avec la prochaine réunion. Hein. Ah oui, mais c'est... La prochaine réunion va être un petit peu longue. Est-ce que ça veut pas dire, hein, que je pense comme un professeur? Ça veut dire que tu raisonnes au plus pratique. Donc je suis un professeur. Dédié à valider. C'est plus beau, je suis pas fini. Je suis obligé de faire des fautes d'orthographe pour avoir assez de caractères, quoi. Ça me dégoûte. Ah, si tu veux, je peux t'aider à écrire en kikou. Hein. Déjà, au lieu d'écrire t'inquiète, t'écris TKT. Hein. Allez, j'ai écrit prise d'otage DOTAJ. DOT, c'est pour dire quoi? Bah, d'otage. DOTAJ. Oh my god. Tu sais, en ville, je suis sûr qu'on peut trouver des gens qui pourraient réécrire ça à ta place pour que ça prenne moins de caractères. Hein. Ah, mais j'en suis certain. Describe SMS. Hein. Ah, c'est vrai. En vrai, Etoc, tout le monde. Putain, il reste 3 caractères, je peux jamais finir. On va dire que je vais me souvenir du reste. Mais attends, mais tu l'as tweet ta réunion ou quoi? Comment ça se fait que t'as un nombre de caractères limité, hein? Parce que je note tout en fait sur les notes. J'ai vu que 250 caractères. Ah, y a une limite sur les notes, hein? Oui. Tout sad. Si tu ne fais pas assez de notes.
Ouais, probablement. Bah, en somme note, j'ai mon casier judiciaire, donc c'est vide. Hein. Voilà, enfin. Hey, je dois avoir. Alors. Tiens, d'ailleurs, ça va dégager, j'en ai pas besoin. J'ai une note pour la vente aux enchères, j'ai une note pour un truc perso, on s'en fout. Une note pour les transmissions équipe de direction, une note pour les bah primes ouais. De fin de mois, une note post-it, genre vraiment le pense-bête de base, une note pour les réunions de service, une note pour les demandes au gouvernement pour les EMS, une note pour les contacts EMS et les Speedy. Et t'as une note et pour les notes ou pas Pas encore. Pas encore, mais je trie au fur et à mesure, en fait. J'évacue quand j'avais plus besoin. Mais... Donc c'est un peu, oui. Je passe ma vie sur les notes. Ah ouais. Et du coup, je suis peut-être un peu un musicien dans l'âme. On va faire comme si que j'ai pas entendu la blague. Et c'était de l'humour, oui. Ouais, j'ai compris, ouais. Mais on va pas dire, on va dire que je suis pas peu fier. Hein. Donc voilà, j'avais parlé aussi du OLSPD pour comment dire que quand ils tassent des mecs à tir l'arigot parce qu'ils sont un peu violents pendant leur contrôle et qu'ils tombent inconscients, et ben qu'ils nous appellent. Attends quoi? Mais pourquoi ils nous l'appelaient pas? Parce qu'ils attendaient que la secondaire passe. Quand il tasse des mecs, hein, il déclenche pas sa balise, et genre juste il le laisse comme passer par. Non, mais genre, tu sais, le concitoyen un peu relou qui s'énerve et qui les fait chier pendant les contrôles. Genre, ils sont en train de faire un contrôle avec quelqu'un, il y a un mec qui descend de sa voiture et qui vient les faire chier. Alors, après, pour leur défense, le problème de ce genre de concitoyen, hein, c'est que j'essaye de les relever, hein, après, hein, ils font un peu le Jésus, hein, et eux, ils le voient toujours par terre. Hein. Du coup, hein, c'est très frustrant pour tout le monde. Hein. Et ben, en fait, ça dépend. Du coup, t'arrives pas à les réanimer, soit t'arrives à les réanimer, ils se barrent. Ah ouais. S'ils font le Jésus, en général, c'est qu'ils sont... C'est que leur cœur a lâché, quoi. Tu veux dire que j'ai perdu des gens? C'est possible, oui. Je te crois pas, c'est nowhere. Jamais perdu de patient. Ah, moi, j'en ai perdu plein. Bah, moi, jamais. Les deux qui sont morts, je suis sûr, c'est pas moi qui les ai relevés, hein. Mais du coup, donc, parce que tu les as pas relevés, si c'était mort. Enfin, c'est pas moi qui me suis occupé d'eux, quoi. Je pense que j'aurais été là, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Lesquels, les deux barras, là? Ouais. Il y en a un, c'est moi. Là, c'était la dada. Et c'était là. Ok. Et c'était Bad, je sais plus qui est-ce qui l'a relevé. Enfin, qui a tenté de le réanimer. Tu penses qu'il y en a déjà qui ont déjà tenté de dire « Ouais, vous êtes des marades d'eau douce, hein, un truc comme ça. » Elle est belle. Elle est pas mal. Elle est belle. Je la tenterai pas. Je pense que je peux la tenter sur le réfé, hein. Il a son petit cœur qui bat pour moi, donc je pense que je peux la tenter. Alors, si jamais tu tentes, tu peux, hein, mais t'as intérêt à enchaîner très très vite sur c'est une blague. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Un truc dans le genre, quoi. Okay. Et après un bon léchage de cul pendant au moins 2 minutes pour faire passer la pilule, parce que... Ou alors, je pars en courant. Ah ouais, non. Alors, le problème, c'est que si tu pars en courant, ils vont te poursuivre. Tu sais, c'est un peu, tu sais, comme... Ouais. C'est un peu comme les chiens, tu sais, si tu les agaces et que tu te mets à courir, ils te... Ils suivent, quoi. Je pense même que si je me mets à courir sans rien dire, ils me suivent. Un peu comme les chiens, vraiment, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai faim d'un coup là. Oh, la méga dalle. Putain, c'est boulot. Faut pas qu'Hugo il me dise ouais, j'ai bossé de 14h jusqu'à maintenant. Ouais, bah, ça va, tranquille. Hein. Ah bah oui, on n'arrête pas. Manquerait plus qu'on mette une petite table, des cacahuètes et du pastis et on est foutu. Hein. Ah bah oui. Après, je dis pas non. Non, toi, je m'en doutais. Hein. Bah, si tu veux, toi, tu prends ton pastis. Hein. Et moi du coup, je prends mes bâtonnets de carottes et mon merde. Hein. Et mon Bloody Mary. Hein. Ah ouais, c'est bon les petits bâtonnets de carottes là avec de la sauce au yaourt là.
Bah ouais, hein. Mais ça c'est qui, hein? Ben voilà. Exactement. Il y a autre combre, hein. Le feu, hein. En plus, c'est bon pour la peau, hein. Et ça se mange, ce truc-là, faut pas s'en foutre sur la peau. Non, mais il y a des trucs que tu manges qui sont bons pour la peau, hein. Comme la graisse de canard. Y a aussi des trucs que tu manges qui sont pas bons pour la peau, hein, comme la graisse, hein, le pâté, hein, le saucisson, hein, enfin tout ce que t'aimes, quoi. Ouais, mais souvent ce qui est pas bon, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ah, je crois pas. En général, les trucs bons, hein, c'est 10 secondes de plaisir, hein, 10 ans sur les hanches. Hein. Allez, tu préfères. Moi, je préfère me faire plaisir, comme quitte à choisir. Au moins, après, tu pars sans regret. Ouais, bah. Après, t'imagines, moi, je choisirais pas. J'aurais la même logique que toi, ça se trouve, je serais super obèse, et du coup, j'aurais beaucoup moins de fame, et du coup, j'aurais beaucoup moins de fans. Du coup, j'aurais peut-être un manque de confiance en moi, certain. Et en plus, je serais peut-être moins performant que maintenant, tu vois. Ah, c'est possible, mais bon, avec des scies, beaucoup de bois, quoi. Nous ne saurons jamais. Oh my god. Et là, tu te demandes si t'as bien fait. Pendant pas toutes ces tout, années. Hein. Pas du tout. Hein. Ah, d'accord. J'ai déjà mangé. Ok, je t'avoue un truc, hein. J'ai déjà goûté de la raclette. Hein. C'était bon, hein. Mais après, c'est no way, quoi. Que j'ai ah mais si c'est bien, après tu quand tu transpires ça sent le fromage. T'enfiles plus facilement tes tenues parce que ça glisse, ça. Ah exactement. C'est huilé. Quel art. Bon bah je crois qu'on va partir en patrouille. Hein. Exactement, je pense que ça va se régler comme ça. Oui, oui, oui. Attends, j'ai 5 bandages, hein. Ça va le faire. 5 bandages, 5 medikits. Hein. Elle est impeccable, faut normalement je dois avoir ce qu'il faut, et puis mon ambulance, normalement elle est censée être chargée. Ah nickel. Hein. Ouais, bah j'ai pas besoin de passer au U en plus, hein. Je suis fou là moi aussi. Ah, j'ai jamais vu les nouveaux locaux de taxi. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh bah ouais. Bon, on va aller leur jeter un coup d'œil. Allez. Et j'ai eu peur pour la moto un peu, oui. Ouais, bien sûr. J'ai peur pour moi. J'ai pas crié, hein. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien. C'est bien. Je te fais entièrement confiance, hein. Dévoile mon professeur. Hein. Ah merde, j'ai touché. Oh, quasi rien. C'était franchement. Je pensais que j'allais pas toucher du tout. J'espérais aussi. J'y suis un peu déçu. Et si on mettait les EMS au niveau de la salle d'arcade pour qu'on puisse jouer quand on se fait chier, hein. Alors, ça peut, mais du coup, faut changer tous les locaux. Ça demanderait quelques travaux. Quoi. Ah ouais. Hein. Ah ouais, non, après, ça veut dire encore des beaux et tout, hein. C'est chiant. Je trouve que je suis super régal. On pourrait presque dire que c'est l'hôpital qui fout de la charité.
Attention. Attends, la charité, quand... la charité. On dit pas. Pense à lever les bras. Hein. Bah, j'essaie de pas les lever trop parce que c'est facile. Ouais, non, bah j'imagine. Hein. Trop lourd hein. Après ta séance de prise de masse. Hein. Ouais, j'imagine. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Hein. Ah ouais. On va rester à l'intérieur. Pour fumer leur. Leur truc. Ah, puis ça sent un peu la pauvreté quand même là-dedans. Moi, je... Un petit peu. Ah ouais, ouais. Heureusement que c'est tout neuf, hein, parce que là sinon. Hein... Ah oui, c'est vrai que c'est neuf. Ah, ouais, ouais. Non, ouais. Mais ça devait être des locaux au rabais qu'ils ont dû trouver. Bah, j'espère. Hein. Ou si c'est neuf, ils sont peut-être fait avoir un petit peu. Ouais, peut-être, oui. Je sais pas pourquoi il y a des E partout sur leur truc là. Des E? Ouais, des E sur leur. Ah ouais. Attends, bah on peut peut-être suivre les E. Hein. Vas-y, viens, on part à la recherche du E. Ah putain, sans déconner. Merde. Une intervention de première nécessité encore, sûrement. Ah, sûrement, sûrement. Si ça a des mecs, des taxis, je leur casse la gueule. Pas cap, hein. Non. Non, donc clairement pas cap. On va du coup conduite d'urgence obligatoire. Exactement. Ceinture. Ah oui, ceinture là, oui. Oh bonjour, je me suis foulé le petit doigt de pied. Hein. Oh my god. Alors on va tomber sur un mec qui va nager dans son sens puisqu'il va s'être pris un coup de hache. Ah bah là ça m'intéresse, hein. Là c'est des cas intéressants on va dire. Ah ça commence à causer quoi. Exactement. Même si j'avoue quand il y a des cas un peu tricky, j'aime bien qu'il y ait un chirurgien quand même. Hein. Ah ça évite les erreurs on va dire. Voilà. Oui j'ai triché, j'ai pris la freeway, j'avais la flemme. Ah mais moi je juge pas, j'ai un sens de l'orientation éclaté hein. J'aurais pu gagner quelques secondes en passant par. Honnêtement. Non, en vrai, je pense que c'est plus rapide hein, parce qu'on va tout droit, on fait pas de virage, pas de voiture, hein, nickel. Ah, c'est, oh, c'est bon, c'est pas important. Hein. Ouais, bonjour, vous êtes dispo pour un PPA, hein, fuck you. Hein. Il y a le chien. Attention, le chien est mort. Hein. Bonjour, mais non, il mord pas, il est gentil. Et si, comment vous si avez. Il l'a mordu hier. Hein. Ben non, hier, c'est pas possible qu'il ait mordu quelqu'un. De quoi? Pas possible qu'il ait mordu quelqu'un celui-là. C'est un autre. Hein. Ah, bah sûrement, oui. Je sais pas si. Demandé. Monsieur, t'as mordu quelqu'un hier? Ah, bah si, il a mordu quelqu'un hier. Bah oui, hein, j'étais sur l'intervention. Hein. On a dû faire des procédures. Ah, hein. Ça devait être mérité. C'était mérité? Non? Ah non, il a fait ça gratuit. Ah d'accord, nickel. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu l'as mordu, monsieur? Apparemment, il l'a confondu avec un chat ou un truc comme ça, parce qu'il y avait des chats au UR. Tu l'as confondu avec un chat? Je crois que je t'emmenais voir un ophtalmo. Après, moi, je suspecte que les chats, ils sont pleins de cam, et que du coup, il a détecté qu'il y avait de la cam dans les chats et qu'il tentait de bouffer le chat. Ah, peut-être, c'est ça, Zozo. Ça veut dire quoi, ça? Je crois que ça veut dire oui. Ou sinon, ouais. Oui, il est sur le point de mourir. Je crois qu'il est en train d'expliquer que c'est pas ça. Ah, d'accord. Je crois qu'il avait juste envie de bouffer un chat. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Eh, bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai un petit peu mal au dos hier parce que je me suis pris un petit accident, mais je suis pas venu direct. Parce que c'était tard et que j'avais envie de dormir. Ouais. Et c'est quoi le rapport avec les grenouilles? Quelle grenouille? Je sais pas, tu as dit c'était tard. Allez, bonne soirée. J'ai beaucoup mieux, Doc. On voit tout pareil, monsieur. Allez, dites-vous que ça fait une heure que.
qui me survit. C'est compliqué. Hein. Vous avez l'uniforme, vous pouvez le tenter. Hein. La prochaine fois que vous avez des maras, dites-leur que c'est des maras d'eau douce. Hein. Non, on va éviter quand même. Ah ouais, du coup, c'est moi qui suis obligé de faire des tests. Hein. Ah, ne le faites pas, monsieur Maker. C'est un petit conseil. Non, mais moi, j'étais pas ce droit avec le réfé marin, donc je pourrais tenter. Ah ouais. Peut-être il parle vachement bien au chien. Ah, ça doit être la moustache. Ah, la gratouille derrière l'oreille, ça plaît toujours. Entre moustaches, ils se comprennent. Tu te calmes, monsieur? Est-ce que t'as mal quelque part, le hirsch? Oui, il a mal quelque part. Alors, vous voyez voir ça. Je touche pas ça, moi. Ah, tu sais, faut pas avoir une phobie des poils comme ça, Kyle. Bah non, mais après, ça salit les vêtements et tout, hein, c'est dégueu. Hein. Ah, et voilà, oui. En plus, il mord des chats. Et bébé égratignure, c'était pas grand chose. Est-ce qu'il va mieux? Ah, impeccable. Bon, du coup, Kay, je te laisse t'occuper de. Ouais, c'est vrai. Bah oui, mais oui, la balle, quand même. Oui. Allez, moi, suivez-moi. On va voir ça. Alors, du coup, c'est un. Vous êtes fait ça comment? C'est en tapant une voiture, c'est ça? En tapant un arbre, ouais. Ok. Vous l'avez tapé à quelle vitesse environ? Entre 80 et 90 km/h. Ah ouais. Bah tu m'étonnes que t'aies mal au dos, hein. Ah, c'est pour ça que je viens aussi. Bah ouais. Après, je t'avoue, c'était bien tard et ouais. Non, mais ouais, non, mais t'inquiète. Hein. Alors, est-ce que tu peux enlever ton haut et enlever et t'allonger sur le dos, sur le ventre, s'il te plaît, my god. Ouais. Attends, je vais poser mon haut ici. Vas-y. Hein. Alors, voyons voir. Là. Tu me dis stop quand t'as mal, d'accord? J'appuie. Hein. Ouais, là, ouais. Ok, et ici? Hein. Là, un peu moins, ouais. Ok. J'ai l'impression que t'as un petit muscle qui s'est décalé. Hein. Enfin, un petit nerf qui s'est décalé. Hein. Je vais essayer de te le replacer. Hein. Alors, attention, là je vais forcer un petit peu là pour que ça remette. Ah, voilà. Ça va mieux? Ouais. Là normalement tu dois sentir un petit soulagement là. Ah, ça fait bizarre la sensation. Ouais. Et ouais, des mains de fée. Hein. T'as vu, hein. Attendez. Ouais. Ah, tu m'étonnes que t'es mal au dos. Hein. Attends, ta gueule, je me fais masser, je reviens. Ouais, excusez-moi, Doc. C'est vrai que ça va jaser, hein. Faut peut-être préciser quand vous dites je me fais masser. Hein. Oh, je m'en fous. Ah, oui, d'accord. Si me casse les couilles, je la ferai gros autour du PDP. Ah, c'est pas mal ça. Bah, allez-y, vous pouvez vous lever du coup. Hein. Je vous ai. Tournez-vous, hein, je vais vous mettre un peu de crème hein, pour soigner ça. Hein. Ah, il va casser les couilles, lui. Alors... Allô? Ah, parce que moi aussi j'ai mal et que je suis avec le meilleur docteur, donc je profite pour me faire soigner, ouais. Dites-lui, hein, je t'emmerde, je suis avec le meilleur EMS. Hein. Eh, je t'emmerde, je suis avec le meilleur EMS. Exactement, bam, c'était qui? Je raccroche, voilà. C'était 45. Je sais pas qui c'est. Hein. Milton. Ah, c'est vrai, ah, ouais, vous avez bien fait de lui dire. Ok, je vous laisse vous rhabiller. Ah, ça marche, donc. Il a l'air d'aller mieux, lui d'ailleurs. Hein. Il chope moins de maladies, j'ai l'impression. Hein. Ouais, attendez. Et 10-10, je récupère 68. Ça va, mon chat? Oui, ça a l'air. Oh, et...
Mais monsieur, il a un maître attitré ou c'est un... Et vous faites de l'échangisme avec le chien? Bah non, son maître c'est 86. Ok. Le collège pas là, je le prends. D'accord. Ok, très bien, bah tout est soigné. Ouais, c'est parfait, vous êtes le meilleur doc. Je sais, merci. Pardon. Et où tu te calmes? Alors en tout cas, le chien est très très fier de faire partie des forces de l'ordre. C'est... Et ouais, j'ai discuté avec lui, il est vraiment très... Il est très heureux. Ah, par contre, il risque de courir très très vite ce soir. Et je vais peut-être donner un peu de café. Oh non. Oh, je vais le tuer. Je sais pas ce que ça boit en chien. Et merci les deux, bonne soirée. Allez, pas de problème. Il va déjà lui lancer le bâton. Allez, je vois ça. J'aurais peut-être pas dû le soigner, hein. Il aurait peut-être couru moins vite après le chien pour le taper. Ouais, c'est possible. La prochaine fois, je pense qu'il faut peut-être tenter de mettre du café et des gros donuts, hein, ou du chocolat, comme ça, il sera énervé, mais il courra moins vite, hein, du coup, hein, ça ira, quoi. C'est pas bête. Et ouais. Après, nous, ce qu'on veut, c'est des collègues efficaces, quoi, même si c'est du... Ou sinon, donner du café aux chiens et des donuts aux agents de police, comme ça, ils n'arrivent pas à la rattraper. Ah ouais. Parce qu'après, on peut partir du principe que la LSPD est jamais très efficace, hein. Oui, c'est pas fou. Bah ouais. Peut-être moi par mois ça fait plus. Hein. Donc si ouais on leur donne plein de notes, peut-être qu'ils viendront productifs et bons. Hein. Ça se tient. On peut se mettre dans la ligne, ça me stresse d'être ici. Hein. Ouais, c'est possible. De toute façon là je vais aller 30 secondes dans mon bureau. Je crois que j'ai ramassé un petit chat de la casse là qui avait pas de toit. Pour l'instant, je le fous dans le bureau. Et je crois que c'est l'heure où il faut que je lui donne à bouffer, sinon il va me faire chier. Ah bah, si tu veux, je connais Jeanne, elle adore les chats. Tu peux lui filer si jamais tu cherches quelqu'un. Ah non, mais gentil. Ah ouais. Je vais le garder, je vais la ramener à mon appartement, ça sera très bien. Ah ouais, d'accord. Okay. Allez, je reviens. Ok. Bon, bah, on attend, hein. Seul, on tient les EMS. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? What will we eating tonight? Est-ce que j'ai des promotions sur Uber Eats? Parce que je suis un gros flemmard. Salut, hein, ça va? Bah ça va et toi? Ouais, ça va. Pourquoi tu te tiens comme ça? Bah, j'ai le droit, non. Bah je sais pas, on dirait un peu le coq qui fait fier. Bah je suis fier de ce que je suis. Hein. Ah bah d'accord, bah c'est bien. Bah ouais. Il va montrer les photos du chat. Tu feras gaffe, t'étais encore pas noté sur le dispatch. Putain, y'a vraiment un fucking hacker qui m'enlève du dispatch. Hein.
Ouais, ou c'est juste toi qui oublie en fait. Jamais. Attends, moi faire des fautes comme ça, jamais de la vie. Hein. Je suis comme le meilleur MS, hein. Je ferai pas des fautes comme ça. Ouais, si tu le dis. Attends, en tant que bon MS, je vais peut-être prévenir les collègues. Ryan, prise de service. Je suis en train d'envoyer sur le Discord de MS. Faites attention, il doit y avoir un hacker qui m'enlève du dispatch. C'est ce qui expliquerait pourquoi j'y suis quand je suis. J'y suis jamais quand je suis en service. Sûrement la ressource de la gloire. Allez hop, ça part. Voilà, c'est bon, hein, j'ai prévenu les collègues. Hein. Par rapport à quoi? Bah au hacker hein, sur le dispatch. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Hein. Exactement. Attention, je te préviens, on est débordé depuis tout à l'heure, on n'en peut plus. On est en burn-out. Ça a l'air, ouais. Ah ouais. Là, ça paraît pas, mais en fait, j'anticipe les prochaines interventions. D'ailleurs, je vais peut-être faire le plan de bordage et de medikit. Allez. C'est vrai que ce sera pas une mauvaise idée, moi je ferai ça après. Pour l'instant, il me reste... Bah non, viens avec moi, c'est bon, on est ensemble, comme ça on s'ennuie pas. Ah non, mais moi je m'ennuie pas. Bah reste tout seul alors. Hein. Ok. hop là. 6... 6, hop là, comme ça. C'est fermé, hein. Ok. De ouf. Il y a quelqu'un qui a chié sur l'ambiance ou du quoi? Bah tout allait bien avant que t'arrives. Hein. Ah ouais, d'accord, donc c'est ma faute en fait. C'est très probable, ouais. Mais t'inquiète, hein, je t'en veux pas, tu peux rester. Hein. Tu veux qu'on parte en patrouille, hein? Bah ouais, on a qu'à faire ça, puis si on peut, on peut passer au UU en même temps. Ah ouais, vas-y, allez, on va faire ça. Je te laisse prendre ton ambulance ou on prend la mienne? Bah on peut prendre la mienne. Vas-y.
Waouh, toute neuve, toute rutilante, c'est beau. Hein. Ouais, t'as vu ça? Moi, je suis content. Bah ouais, j'imagine. Je pensais pas qu'il te la donnerait, hein, sachant que t'es stagiaire, mais bon, tant mieux. Hein. Bah non, du coup, maintenant, je suis plus stagiaire. T'es un... J'ai pris du galon, ouais, je suis stagiaire plus plus. Stagiaire plus plus, hein, de type ambulancier, infirmière. Ouais, voilà, c'est ça. Waouh, c'est beau. Hein. Ceinture. Hein. Et du coup, hein, le U... Ah ouais, d'accord, t'as pris un autre chemin d'habitude. Hein. Ah, je sais pas, je prends pas le GPS, moi. Bah ouais, non, mais c'est pour ça, mais tu prends un chemin différent de ceux que j'utilise d'habitude. Hein. Bah, comme ça, ça te fait découvrir un autre chemin. Ah ouais. Tocard. Oh my god, mais on la suit, hein, ça m'énerve. Hein. Qui ça? Athénaïs, hein, j'ai envie de la voir. Bah, pourquoi? Je t'expliquerai. Hein. Mais tu l'aimes pas. Si? Bah, non, non. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon pour les factures? Non mais c'est honteux hein. Vas-y on va, je te laisse récupérer à manger. Mais... C'est Hercules, hein, c'est vous qui allez l'air de la recevoir mademoiselle. Vas-y. Belle merci. Je vais vous donner le cupcake. Et voici. Oh my god. Le chien blessé. Hein. On y a, c'est urgent pour toi ou pas hein? Non, bah non, c'est bon, tu vois. Très bien. Pense à mettre Giro. Hein. Voilà. C'est quoi? J'ai pas le temps de lire le message du coup. Ils sont aux EMS. Ah bah c'est aux EMS avec le chien. Ah bah apparemment le chien est mort. Enfin il répond quoi plus. Hein. Mais non mais le chien tu sais hein, monsieur. Bah il répond plus, hein, faut le sauver. Hein. Oh non, mais non, le chien. Tu vas pouvoir t'en occuper ou c'est moi qui vais devoir m'en occuper hein. Mais j'aime pas toucher aux animaux. Oh bah je vais le faire mais... Bah moi non plus j'aime pas toucher aux animaux. Hein. Mais du coup, en tant que stagiaire plus plus, tu dois apprendre. Je vais prendre l'intervention avec le chien. Bah c'est pas elle, hein. C'est pas ici que ça venait. Hein. L'intervention avec le chien, c'est pas ici. Hein. Non, c'est au commissariat. Oh my god. Bah. Dis-moi pas que je t'ai évité de justesse là. si, totalement. Hein. T'en veux une, Kai? Bah non, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Ouais, c'est ça. Je te jure. C'est un spasme, genre. Dès que je t'ai vu passer, hein, je me suis dit, oh my god, j'ai envie de lui mettre une patate. Hein. Mais du coup, on peut retourner au U si tu veux. Hein. Allez. Non, bah ça ira, je pourrais attendre. T'es sûr hein. Bah ouais, du coup. Sûr. Hein. Ouais, j'ai de quoi tenir une heure dans mes poches. Mais non, mais on va y aller, allez, vas-y, viens, je t'emmène. Mais tu conduis. Hein. Ouais, donc en fait, c'est moi qui t'amène.
je t'accompagne, je suis troubadour. Hein. Parce que sans moi dans cette ville, tu vas être perdu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'avais encore le point dans le GPS. Hein. Mais ouais, Athénaïs, c'est celle qui fait courir des rumeurs sur les EMS, hein, donc on l'aime pas. Ah bon, il y a quelqu'un qui a fait courir des rumeurs sur les EMS? Ouais. Bah attends, elle est encore dans le coin, je te raconterai après. Hein. Il y a des rumeurs pas cool hein, sur moi et sur Sacha. Pendant que j'étais pas là. Moi je pense. Enfin, j'ai juste attendu qu'elle était partie de l'hôpital, c'est tout. Bah ouais, mais derrière elle a bavé sur nous, hein, gratuitement, sans justification. Ah bon? Bonsoir. Ouais, c'est ça, j'ai un petit problème de voix, comme je te disais. Merci beaucoup. Bizarre d'être comme ça. Je vais vite poser 2-3 trucs dans mon bureau, j'arrive. Ouais, d'accord. Je te commande quoi? Petit con. Merci beaucoup. Comment ça va, garçon? Ah bah bonsoir, papa. Ça va bien? Viens toi. Bah ça va. Ah mince. Je vais aller dans la voiture, j'arrive. Je d'accord. Je crois que je vois un blond maintenant. Tu peux continuer, hein, j'arrive. Je tombe. Ah, d'accord. Bah tiens, vas-y Ryan. C'est ton moment, Ryan. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Salut. Hein. Vous allez bien? Oui. Arthur. Ah bah écoutez, est-ce que je pourrais avoir... Ça fait longtemps que t'es en service, hein? 3 burgers ouais, ça et fait, 5 jus d'orange, s'il vous plaît. Ça fait une heure et demie. Hein. Sauf pas okay, une vie, quoi. Ça va, tout se passe bien? Oh ouais, tranquille. Il y a Teddy en plus et tout. Donc ça marche. Et toi, hein, je vais prendre à manger et je passe prendre mon service après. Ah ouais, nickel. Ouais. Bah sinon, moi cet après-midi, je vais aller m'acheter un véhicule pour quel event. Oui, ah ouais, hein. Orange, t'as pris lequel hein? Ouais. J'ai pris un minivan custom. Ah ouais. Salut Daniel. Si hello. Bon temps, on est là. Ça va ouais, hein. Bah, du coup, j'ai un truc avec plein d'enceintes, ouais. De quoi t'es enceinte hein? Mais non, j'ai pris un véhicule avec plein d'enceintes. Ah ouais, donc tu m'as fait peur. Là, hein, non, encore un frère. Que je puisse mettre de la musique et tout ça, un truc bien. Ah ouais. Ça, c'est pas bête. Hein. C'était inquiétant qu'ils te disent qu'il est enceinte ouais, quand même. Non, mais ouais. J'ai entendu juste enceinte. Il aurait pu très vite dire tiens, il y a la moitié de la ville qui est enceinte. Hein, ou je sais pas. Ouais, le plus inquiétant, ça aurait été qu'ils me répondent encore. Quoi, t'es encore enceinte? Ah bah voilà. Ouais, voilà, ouais. Ouais, non. Bonjour Daniel.
Non, j'ai acheté une voiture en pleine enceinte, Ryan. Ça va, et toi, t'as besoin de pansement, on est là pour ça. Non, impeccable. Nickel. Ok, ça marche. Aïe. En général, quand je fais pas les autres qui me collent un ion dans la gueule, ça va, ouais. À toi, ah, sire. De toute façon, on dit toujours que l'enfer, c'est les autres. Hein. Ah bah, dans mon cas, c'est vraiment ça, hein. À chaque fois que je me suis retrouvé à l'hôpital, c'était pas parce que c'était de ma faute. Ah, c'est moche la vie. Ces gens comme ça, si peu délicats. T'as bien dû avoir de temps en temps un poteau qui s'est jeté sur la route ou qui s'est jeté sous les roues de ta voiture et du coup, t'as fait un vol plané, non ? Ah non, même pas. Les deux accidents de la route que j'ai eu où j'ai fini à l'hosto, c'est soit Teddy qui a fait le con avec l'ambulance, soit Athénaïs qui a piloté ma bagnole et on a fait bouger un coyote, ouais. Ah ouais. Ah putain, c'est quoi ça? C'est vrai que les animaux de la forêt, des fois, ils sont un peu vénères. Hein. Vous en faites pas? Ah, les coyotes, ouais. Un peu bodybuildé, ouais. Pas trop testé, moi. Ah non, bah, essaye pas, ouais. Par contre, avec une moto, ouais, enfin, ça passe nickel, hein. Merci. Bah là ça va, maintenant j'ai un gros tank, je peux les affronter. Mais non, et c'est pas. Non. Non. Ah ouais, non, même avec le tank, même avec le rebla overboosté. Ah bah moi c'est avec la comète Saf, hein. Donc avec le parbuffle, on a tapé le coyote. C'est bon, Il y a Jackie et Tuning là qui ont boosté mon rebla, il est mastoc maintenant. Oh, bah, ouais, non, mais non. Ça non, suffit pas. Ouais, allez, on y va. Bonne soirée, hein. Le coyote. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Et bonne soirée. Bonne allez, soirée. Les garçons. De quoi? Le rendez-vous de ce soir est bien maintenu. C'est 21h ou 22h? Ah, d'accord. 22h que Sarcha m'avait dit. Oui. Sarcha, c'est sur elle là. Moi, ça risque d'être peut-être compliqué. Hein. J'arriverai peut-être un peu après. Hein. Oui, y'a pas de soucis. Fin... Donc, on va voir. Je vais voir avec elle. Hein, si c'est 22h, temps de 23h, ça te va ou pas? C'est peut-être que certains. Ok, non, bah, je vais voir avec elle, mais pour l'instant on maintient et on verra avec elle. D'accord, pas de soucis. De toute façon, vous avez mon numéro, si vous y avez un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Exactement, t'inquiète pas. Ça va, bah, allez, salut. Merci beaucoup. Bah alors, tu joues quoi? Bah, j'étais en train de bosser, hein, désolé. Ah bon? Oh my god. Alors, ça c'est bon. 50-54. On prend avec Ryan. Hein. Allez, hein, c'est parti. Hein. Ah non, bah non, bah non. Bah merde, du coup, ça m'a pas affiché le GPS. Tiens, tu l'as là ou pas? J'ai l'impression que ça bug et j'ai pas. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ah, ok, bah je te l'ai mis. Ah bah c'est à côté du live. J'appelle pour dire qu'on y va. Hein. Allô, hein. Allô. Ouais, c'est les MS, c'est pour vous dire qu'on arrive. Hein. Parfait. Très bien. Voilà, j'ai tout cliné. Ceinture. Hein. J'ai l'impression qu'elle est plus lente ton ambulance quand même. Hein. Y'a des roues en trop, hein. ça tient, ça va plus vite. Hein. Comment ça, ça va plus vite? Bah, j'ai l'impression qu'elle traîne un peu du cul en ambulance. Hein. Elle traîne pas du cul? Elle traîne légèrement du cul. Hein. Elle est plus longue, quoi. Elle est très bien. Ben ouais, il est complètement con. Hein. C'est quoi ce débile aussi qui roule de l'autre côté de la route là? Il est complètement con. Hein. Faut lui dire qu'il faut rouler de l'autre côté. Hein. Encore pas une flèche. Hein.
sais pas pourquoi je sens que cette enterre va être mythique encore. Hein. Encore des débiles, par-dessus des débiles, saupoudrés de débiles. Hein. Encadrés par des débiles. Hein. Attends, ceux qui encadrent, c'est nous, là. De quoi? Les encadreurs de débiles, c'est nous? Non, c'était la LSPD, les encadreurs de débiles. Hein. Oh putain. Allez, hein, on s'arrête. Hein. Oh my god. Vous mettez juste un avertissement. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez repartir, il n'y aura pas de soin de votre part. Hein. Pardon hein. Non, vous c'est mort, oui, vous touchez ni à moi ni à ma fille. C'est hors de question, oui. Mais ça va, on va pas mourir. Non, lui, non. Vous avez l'air d'avoir quand même vachement dégusté, vous êtes sûr hein. Ah ben je suis sûr, mais il y a votre collègue, lui, il va s'occuper de nous, mais pas vous, c'est tout. Bah pourquoi vous voulez pas qu'on s'occupe de vous à deux? Bah vous, il n'y a pas de souci, j'ai aucun souci avec vous, mais lui c'est un cocaïnomane notoire, c'est hors de question qu'il s'occupe de moi et de ma fille. Ah, je t'ai pas raconté, ouais. Hein, mais c'est pour ça que je fais la gueule à Tenaïs. Ça se passe avec un avertissement pour cette fois. Ah d'accord. Ouais, voilà. Ah, bon, Kyle, moi je veux bien des soins si... J'ai pris un frontal avec le monsieur à droite. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Voiture, paf, paf. Ok, hein, t'as cogné particulièrement. Une personne dans la... Dans la voiture, il y a également une personne aussi. Ouais, elle est là. Ok. Attends, je vais voir la personne, j'arrive. Au dos, ouais. Elle est où la personne? Excusez-moi, elle est où la personne? Dans la voiture. Oui, normalement, ça devrait le faire, ouais. Je la sorte. Ah, d'accord, merci. Hein. Ouais, pas de soucis. Oh my god, ouais, elle est vraiment plus mal en ce point, quoi. Attention, parce qu'ils sont cons ici, ils vont vous écraser. Monsieur Baker. Ouais mais faut que je sauve une vie hein. Okay, hein. Bon ça a l'air d'aller hein. Ok. Ah, on tapait fort, oui, on tapait fort. D'accord. Et du coup ça vous avez pas de démangeaisons dans les membres ou quoi vous... Pas de soucis, j'ai quand même mal à la tête. Du coup j'ai la tête, elle a fait boum sur le guidon, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la nuque, j'ai mal partout. Ok, hein. T'as des troubles de la vision, envie de vomir, des choses comme ça. Et j'avais un pote qui tournait en sortant, mais là ça va mieux. Ok. Moi, a priori, hein, tu sais quelle journée hein. Attendez, je peux appeler des gens pour. Alors, attends, j'entends rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir récupérer la comète? Tu sais quelle journée hein? Vendredi. Dans quelle ville hein? À Los Santos. Ok. Pour moi, il n'y a pas besoin de t'emmener aux EMS. Hein. Je vais te mettre un peu de crème, donner des antidouleurs. Par contre, si jamais hein, tu commences à avoir des envies de vomir, des pertes de mémoire, des choses comme ça, tu reviens tout de suite. Hein. D'accord hein? Ça marche. Ça marche. Ok, alors je vais te mettre un peu ça. Peut-être une Minerve aussi hein, pour un peu stabiliser ta nuque. Hein. Et si c'est nécessaire, ouais. Ouais, ça marche, ouais. Ça marche, c'est oui. Au cas où un petit collier cervical, voilà, comme ça, hop là. Ça marche. Okay, là. C'est juste pour t'aider hein, pendant les 20 prochaines minutes, hein, le temps que ça aille mieux, tu vois. Ouais, ça marche, pas de soucis. Et voilà. Allez, super, merci Kay. Bah écoute, je vais y aller du coup. Hein. Bah ouais, bah écoute, fais ta vie. Hein. Ouais, bonne soirée. Allez, salut. Hein. Tout va bien, monsieur mec. Tout est bon pour vous, hein? Oui. Ok, super. Hein. Bonne soirée. Hein. Tu vois, il est vraiment nul. Je crois que la dame, elle va pas bien. Attends. Ah bah oui, mais l'autre, il veut nous embarquer et son collègue, il dit bonne soirée, oui. Moyen, ouais. Ouais, je veux bien. Ah non, mais on va tous les deux aux EMS. Là. Allez, hein. Oh my god. Ouais, monsieur. Mais c'est dangereux ici, quand même, ouais. Mais vous êtes con comme des cailloux, mais... Oh my god. Bien. Oh my god. Ça sert à rien, elle est foutue, celle-là. Oh my god. Oh putain. Oh my god. Oh, tu m'as... Oh my god. Tu m'as tapé dans l'œil. Mais pas dans le bon sens. Oh my god. Arrêtez, oh my god. Y a besoin de sortir des brancards ou pas, Ryan? Venez, je vous aide à monter jusqu'à l'ambulance. J'ai juste marché derrière la voiture parce que Ryan, y a besoin de sortir un brancard ou pas? Non, y a pas besoin de brancard, Kyle. Ok, je vais chercher le monsieur. J'accompagne la dame. C'est vrai que ça dépend qui est conduit. Ouais, monsieur, je vous accompagne jusqu'aux. Y'a besoin. Non, hors de question, je préfère que ce soit les policiers qui s'occupent de moi plutôt que vous. On n'est pas des taxis, monsieur.
Non mais je veux pas envie qu'il m'accompagne. J'allais juste vous aider à marcher jusqu'à l'ambulance. J'attends votre collègue, oui, plutôt. Mais arrêtez de casser les couilles, venez me remonter sur l'ambulance. Je suis pas sinon ça va mal se passer. Je suis pas toxicomane, faut arrêter d'écouter les rumeurs. Oui, sauf qu'on le sait, nous. Mais vous savez rien du tout, vous écoutez une pétasse qui est jalouse. Et vous allez parler mieux. Non, ça va très mal se passer, oui. Je parle comme je veux. Il y a un collègue à moi qui va venir la chercher, ouais. Vas-y, dépêchez-vous. Allez, c'est bon. Parlez-moi mieux, ouais. Voilà, je vous laisse monter à l'arrière de l'ambulance aussi, là. Il faut qu'on me tire. Ils ont quoi les deux du coup, hein? Bah du coup madame elle a la nuque qui a tapé, enfin qui a craqué, du coup elle a mal à la jambe aussi, donc on va aller faire quand même une radio, si okay. Tout va bien. Et monsieur il a mal dans le dos. Ok, vas-y, on y va. En priorité, on va s'occuper de madame comme elle a tapé la nuque quand même, c'est plus dangereux. Bah, on va pouvoir s'occuper des dents en même temps, normalement, y a toi et moi, et si monsieur veut toujours pas... Non, vous, on veut pas que vous occupez. Ouais, voilà, il y a peut-être sûrement un autre médecin, au pire, on s'occupera de madame. Un médecin compétent, oui. Je suis meilleur MS, alors arrêtez de râler, hein. Ah ouais, j'ai surtout mal, donc tais-toi, donc ce soit lui ou pas, moi je veux être soigné. Non, c'est mort, il te touche pas, oui. Kyle et Ryan, retour MS, deux patients. Bah, Ryan, lui, il est compétent, par exemple, oui. Ryan, il est ambulancier. Eh ben, ambulancier, j'ai plus confiance en ambulancier qu'en vous, ouais. Putain, mais t'arrêtes de gueuler alors que là, on a eu un accident, puis en plus, un putain de parler. Eh ben, j'ai mal, justement, ça m'énerve encore plus, oui. Bah oui, mais toi, tu m'énerves aussi parce que t'es aigri. Vous êtes conscient que j'ai sûrement sauvé aussi certains de vos amis, hein. Ah ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est un ça, bah ouais. Comme vous, oui. Un charlatan de quoi, hein. J'ai sauvé je ne sais combien de vies, hein. Mais bouge-toi, t'inquiète, toi! Ah, les gens, ils s'arrêtent en plein milieu, là! J'ai pas entendu message radio. Hein. Mettez votre ceinture. Hein. Déjà fait. Oh my god! Ryan, fais gaffe, hein! Bah, il conduit très bien, Ryan, hein. Bah, écoutez, on va vous trouver une chambre, hein, mais my god, hein. Je signale que moi, pour l'instant, je suis pas encore passé à travers du parcours de mon ambulance. Bien dit, Ryan, oui. Parce que mais t'as fait moins d'intervention que moi. Bah, peut-être que sans prendre de la cocaïne, ça aide, hein. Oh, mais ferme-la. Ouais, je dis que la vérité. Continuez comme ça, je porte plainte, monsieur. Bon bah allez-y, portez plainte, t'as une de plus, une de moins, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, d'accord. Vous avez beaucoup de plaintes au cul, hein. Oh oui, j'ai un casier bien rempli, oui. Ah ouais, moi j'en ai zéro, hein. Du coup, c'est qui le plus fiable dans la ville, hein? Ah bah j'en sais rien, hein. Ah ouais, voilà. Vous savez... Vous avez pas vendre de drogue sur votre casier par hasard, hein? Ah non, absolument pas, non. Ouais. Papa, j'ai quand même entendu chier, je touche jamais à cette merde, moi. Par contre, j'ai une tentative d'homicide il y a pas longtemps, donc voilà. Tentative 1. Ah, si vous voulez, je peux réussir, hein, c'était voulu, oui. Non, mais s'il vous plaît, passer un message, on se capte dans mon ambulance, là, il n'y a pas de... Ah, désolé, Ryan. Pas de haine, s'il vous plaît. Je vais vous écouter, vous, pas de soucis. Ah ouais, d'accord, lui, tu l'écoutes et moi, tu m'écoutes pas, ta propre fille, bah super. Eh ben, mais parce que tu défends l'autre, là, oui. Bah, tu sais quoi, je t'écoute pas et il va me soigner et c'est tout. Bah non. Bah si. Bah non, c'est hors de question, si. Non. Je suis ce que je veux. Bah non. Tu vas m'en coller une, tu m'as déjà frappé tout à l'heure. Non mais... Ah super, hein, ça frappe sa fille. Bah du coup, comme vous voulez, il y a peut-être un autre médecin. Oh, moi je vous suis, c'est bon. Madame, je voulais appuyer sur moi, pas avec un autre médecin compétent, ouais. Je vends Mais bah dis-toi, c'est bon. Voilà, il est médecin compétent. Ah ouais, très compétent. Ouais, pardon, j'ai touché. Bah oui, lui, il est compétent, oui, c'est le chef, en plus il est en rouge. Bon, ça va, hein. Moi aussi j'aimerais bien être habillé en rouge. Une fois je me suis habillé en rouge, il a dit non. Heureusement que vous êtes là, oui. Ah bah oui. Mais je refuse que monsieur Kyle là il s'occupe de moi ou de ma fille, oui. Monsieur Teddy, je vais prendre en charge madame. Elle s'est craqué la nuque et elle a mal à la jambe. Et monsieur là a mal au dos. Voilà, ils ont eu un accident de voiture.
Eh ben ça marche, et ben monsieur venez avec moi. Ah, je viens avec vous, volontiers. Allez, bah je vous laisse. Hein. Il est insupportable. Bah ouais. Je laisse pas là, venir avec moi. Oui. Du coup, je sais pas qui elle était, l'ambulance devant, mais il va falloir la faire réparer, elle est toute pétée à l'arrière. Comment ça, elle est toute pétée à l'arrière? Ah, c'était fabuleux l'arrivée de Teddy. J'ai besoin de méta compétent. Oh, voilà un méta compétent. Bah. Ah, il se peut que Teddy ait un peu touché. Hein. Je prends la salle d'opération pour faire la radio. Elle est reçue. Interne normal. Hop là. Oh là là. Bonsoir. Et bonsoir Anna. Salut. Hein. Bonsoir Anna. Eh ben ça, tout va bien. Ouais, ça peut le dire. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Oh, tu as tâté mes deux collègues, où étaient tes potables? Ils sont en train d'être soignés. Hein. Ok, pas tout est bas d'attente de l'autre côté. Ok, merci. Merci beaucoup. Chaque fois, hein. Encore un refus de soin parce que du mec. Hein. Ouais. Je vais refaire le plein en bandage. Ça me bat les couilles. On m'a entendu ou pas là? Ouais, je crois. J'entends regarder Sushi en même temps, désolé. Hein.
Salut. Salut Kyle. Ça va? Ça va et toi? Ça peut aller. Hein. Un petit oui ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai encore eu un refus de soins par la même personne. À chaque fois ça me chafouine. Un refus de soins par la même personne? Le vieux hein, de la triade, hein, il arrête pas de m'insulter toxico, oui. Il veut que je soigne personne. Hein, ça m'énerve. Il t'a insulté de toxico? Ouais. Comment ça se fait? T'as pas été dans les bails hein. Non. Globalement, Athénaïs, quand elle est partie... Bonsoir, Anna. Salut. Salut. Athénaïs, quand elle est partie, elle a un peu la rage et elle a bavé sur nous un peu partout, hein, où est-ce qu'elle pouvait. Et comme son mari est dans la triade, elle a dit à tout le monde que j'étais un toxico et d'autres trucs. Hein. Oh, super. Attends, j'arrive. Je vais récupérer un cadeau en plus, un lot en plus cette semaine pour la vente aux enchères. Enfin, cette semaine, cet après-midi. Ah ouais, c'est quoi? Ouais, c'est Monsieur Emilio. Et ben, on va pouvoir mettre aux enchères une chanson d'Emilio, et du coup, la personne qui gagnera l'enchère, Emilio lui composera une chanson spécialement pour lui. Wow, c'est ultra cool. Pratique, du coup. De quoi? Bah, ça, là, qu'elle ait fait ça, en fait. Je te raconte. C'est pas très sympa, c'est pas très propre ce qu'elle a fait. Ouais. C'est pour ça qu'on a diffusé un communiqué au live pendant un moment en disant que toutes les rumeurs étaient infondées. Hein. Comment dire? Bonsoir. Salut Ryan. Et sinon, j'ai prévenu Robin en fait, finalement, on va faire ça par Hugo parce qu'en fait, c'est mercredi prochain donc c'est un peu la mort. Hein, ouais, l'événement. Ouais, c'est effectivement. Bon, allez, je vais changer. Ouais, vas-y. Hein. J'avais oublié qu'il y avait 30 jours, hein, qu'il n'y avait que 28 jours dans février. Hein. Ouais, on se fait gratter de 3 jours, oui. Exactement. Du coup, Hugo va s'en occuper. Hein. J'ai juste besoin de savoir c'est quoi les principaux lots qui puissent le mettre sur la fiche et qu'on le vende, et puis voilà, quoi. Bah ouais, oui. Bah écoute, gagner une chanson, acheter aux enchères une chanson composée par Emilio, ça c'est classe, je trouve. C'est rigolo comme lot. Ouais, mais ça c'est pas le gros lot, tu vois. Non, c'est pas le gros lot, on est d'accord. Dans les gros lots, j'aurais dit, les SMS. Ouais, le dessin de Myosotis. Hein. Myosotis, il vaut 60 000, son dessin à couleur. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Donc il y a ça, donc il y a Moira qui devrait nous répondre dans la soirée donc, pour nous proposer des petits lots, des petits kits d'assortiment, tout ça, d'alcool et compagnie. Et puis nous dire si du coup ils acceptent de vendre Gustave. Ok. Ah oui, c'est vrai, il y a Gustave à vendre. Très belle prestation, Arthur. Ah, merci beaucoup, t'étais là à l'inauguration de la salle d'arcade. Ouais. Ah bah super. Ouais, là je suis en train de composer, là. J'ai une idée lumineuse qui m'est venue hier matin, et là je suis en train de composer une nouvelle chanson en ce moment. J'ai hâte d'entendre ça. Ah oui, en plus c'est sur un thème médical qui nous est tous très cher. C'est quoi? La coloscopie. Ah oui. Nickel. Oui. Et puis pour que ce soit bien, la sortie sera chantée sur du Frankie Vincent. Ah oui, bah là... Oui. Là, je pense que oui, c'est dans le thème. Effectivement. Et d'accord. Ah oui. Je pense que vous pouvez pas rêver meilleur mariage. Oui. Ah, non, si j'en ai déjà subi une d'ailleurs. Ouais, sûrement, vu l'âge de la personne. Qui ça? Francky Vincent. Oui. Francky Vincent. Il va en avoir plusieurs. Bah, il est quand même plus assez proche. Il est dans la soixantaine maintenant. Ouais. Oui, il a dû en faire au moins 3-4, oui. Et... Voilà, est-ce que j'ai à manger avec moi? Faut que je fasse ma deuxième, hein, de ces 4 aussi. La deuxième. Ça va, Ryan? Bah oui, pourquoi il est tombé? T'as soif? J'ai entendu beaucoup de choses. Tu devrais pas montrer tes fesses comme ça quand on parle de coloscopie, hein, c'est une invitation. Ah oui. Mais papa! Mais putain, papa, ta gueule! Quoi? Mais quoi? Oh my god, oh, j'aurais pas aimé, hein. J'aurais pas aimé. Hein. T'as vu Daddy comment il t'a manqué de respect? Moi je t'ai jamais manqué de respect comme ça. Mais t'es en train de faire caca dans tes couches et tu dis ta gueule, mais tu t'es pas qui toi? Mais je me prends pour personne, mais il parle de coloscopie et tout, et puis qu'il faut qu'il fasse sa deuxième, moi je veux pas le savoir ça. Mais Bah c'est un peu, de toute façon c'est pas un secret, tu en fais une tous les 5 ans à partir de 40 ans, donc Let's go. Bon bah du coup je viens d'avoir que j'ai fêté mes 45 ans la semaine Alors, dernière. Alors c'est quoi la première du coup? Je t'emmerde. Petit vidage colique, là. Mais je vais te la faire. Te vides les... Ah ouais, si. C'est vrai qu'il y a mi-chemin de ta première coloscopie, toi, oui. Tu vas
vas vider Trip et Boyau et on va te foutre une caméra dans le cul, Kyle. C'est un grand moment. Tu vas être célèbre. Enfin, en tout cas, c'est le seul moment où une caméra va te filmer de manière officielle, oui. C'est le seul. Mais pour ça, ça donnera une idée de nouveau concept. Pimp my ass, tu vois, c'est... Ah, super, ça donne grave envie, oh my god. C'est ouais, la fois dégueulasse et drôle. Arrêtez. Droguelasse. Ah ouais, droguelasse, ouais, ça marche bien. Droguelasse, c'est droguelasse. Je valide le terme. On est à mi-chemin entre les deux, c'est droguelasse. Bon allez, je vais acheter à manger, moi, sur ces bonnes paroles. Ça m'ouvre un appétit. Bah écoute, ça marche. Est-ce que je peux prendre l'ambulance qui est là-haut ? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher, Amène, peut-être ? Si jamais il y avait un pépin, que je puisse prendre un brancard dedans, etc. Bon, allez. Ouais. Il y en a d'entre vous qui ont besoin de quelque chose ou pas ? Bah on en revient tous, en fait. Ah, flûte. Moi, j'y suis passé avant mon service. Oh merdouille. Merci bien. Prenez soin. Allez, bonne soirée. À bientôt. Teddy. Allez, bonjour. Coucou, comment tu vas ? Ça va bien. Est-ce que tu as mangé avec moi ? Si tu veux. T'as faim. Allez, viens, hop. Si tu veux. Salut Teddy. Allez, bonjour Arthur, oui, c'est vrai. Et bonjour Ariad, c'est vrai que je t'ai pas dit bonjour. Du coup, t'allais faire réparer ton ambulance ? Non, pas encore. Ah, parce que Ryan, il a éclaté le cul de son drogue. Ah bon ? Ah oui. Ah bah tiens. Ah, on est vraiment à fond. Ah bah c'est droguelasse. Ah oui. Ah c'est droguelasse. J'aime bien ce mot. Hein. Droguelasse. je suis arrivé un peu vite et je suis rentré dans l'arrière de son ambulance. Ah, c'est toi qui as fait les fesses à Ryan ? Ah, non, c'est moi qui ai fait les fesses à Ryan. Alors, t'es dit. Par les fesses de l'ambulance à Ryan. Ah, je comprends comment elle a eu son augmentation. Ouais. Oh putain. Moi je. Mais ça, c'est droguelasse, Ryan. Ouh, ça, c'est droguelasse. C'est droguelasse, mais oui. Cette famille se fait refaire les fesses, j'ai l'impression. Oh, allez, on y va. Allez, c'est par là, par contre. Oui, bah, bientôt ton tour. Bienvenue chez les Bennett. Nowhere. C'est que t'es. Ah oui, t'es une ambulance de sortie. Oui. Oh, tu vas me conduire. Ouais. Attention, c'est quoi, tu te feras rattraper par la génétique. Ah, ouais, super. Du coup, attends. Merde. attends, faut que je passe un coup de fil. Hein. Eh ben, vas-y. Oui, bonsoir. Je viens de voir comme quoi que Sercha était pas disponible ce soir. Ah. Du coup, je voulais voir avec vous si vous vouliez maintenir et dans ce cas-là, faut qu'on décale à 23h. Sinon, on redécale à plus tard. C'est comme vous souhaitez. Hein. On peut voir à 23h, il n'y a pas de souci pour moi. Ok, on fait ça. Et du coup, je prépare le petit pendule pour l'hypnose. Eh ben, c'est très bien. À tout à l'heure. Allez, bonne soirée. Hein. Ce soir, séance d'hypnose. Je sais pas ce que je vais faire. Ça va être fabuleux. Voilà, nickel. Hop là. Voilà, vite fait, bien fait. Alors. Attends. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai dit à Hugo ? À Hugo, ouais, Hugo. Oh my god, j'oublie tout ce que je fais. Aïe. Hop, prendre un petit calepin, un petit truc comme ça pour mettre des notes. Est-ce que t'aurais pas la liste des lots par hasard ? T'as pas une liste qui traîne, non ? J'ai pas la liste exacte et complète, non ? Faudrait qu'on peut-être. Mais je peux essayer de la faire. Ouais, je vais essayer de. Au moins qu'on sache que ça permette au moins d'estimer en plus le temps des enchères et tout. Ok. J'ai mis des EMS, Relooking Shot Patrol, Portrait de Myositis. Ouais. T'as d'autres lots intéressants pour l'instant. Bah, du coup, on a la chanson d'Emilio. Chanson d'Emilio. Hein. On a la double page dans le torchon. On a le trash talk d'un membre du Life. Et puis du coup, on attend un retour donc pour les petits paniers garnis, Gustave. Et puis après, à déterminer la liste des EMS qu'on mettra en vente.
Est-ce que t'as prévu de faire des concerts ou des trucs comme ça? C'est pas prévu, mais on peut essayer de caler ça, oui. Je sais pas ce que t'en penses, j'en sais rien. Pour une vente aux enchères, ça risque d'être un peu bizarre, non? Bah, ce qui peut être bien, c'est de faire un petit morceau, tu sais, c'est de faire une ou deux ventes, de passer un petit morceau pour que les gens puissent, je sais pas, aller retirer de l'argent ou aller s'acheter à boire ou un truc comme ça, et puis on reprend deux ventes, on refait un petit morceau, tu sais, pour racheter un petit peu la soirée, quoi, pour pas avoir vente, quoi, parce que à la troisième vente d'affilée, les gens vont être saoulés. T'es sûr, hein, parce que justement, normalement, ça fait que les gens, après, ils sont à fond dedans et tout, et puis ils donnent encore plus d'argent. Hein. Ouais, un petit morceau de musique, après, ça dépense en boisson, attends, on va aller voir les agents. Vas-y. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Je me suis pété la gueule d'un poids. Pour mettre, il a retiré sur l'épaule. Sur l'épaule, bah écoutez, ça va, Kyle? Putain, bah, je crois qu'il va encore moins bien que moi. Ouais, Kyle. À tourner dans un seul. Oui, bougez pas, écartez-vous. Vous sentez bien? Je vais le repimper, vous allez voir. Putain. Ah, putain. Moi, il est tombé au bon endroit. Il suffit de prendre un support. Ouais, il est sentimental. Oh ah, my god. Ouais. Ah, ça va bien, Mr. Maker? Ah, j'étais tellement sur mon téléphone, j'ai oublié de boire et manger. Hein. Ouais. Ah, c'est toc-toc, ça. T'as vu ça? T'as vu quand je disais que ça arrivait même au meilleur? Exactement. Ne faites pas ça. C'était notre charisme qui vous avait fait tomber, mais même pas. Ah, jamais. Oh my god. Ah, c'est sans doute votre sang du devoir. C'est ça. Il a croulé sous le poids de la gloire. Ouais. Les épaules fragiles. Pas du tout. Oh, quand même. Une sacrée charge à porter. Et voilà. Ouais. Non, sauf des vies. On n'est pas là à taser comme des débiles. Hein. Pas ce qu'on fait. Non, attaque pas non plus. Attends, tu peux respecter le métier des autres quand même. On dirait que c'est des agents qui se prennent des balles. Hein. On se sent pas du tout visé. On ne passe pas comme des idiots. Pour l'instant, ça va alors. J'ai vu plus de gens couchés que de l'espidi. Bah, parce qu'on fait bien notre travail. Bah, du coup, venez avec moi, monsieur. On va passer une radio. Allez, je veux bien. Oui. Je reviens, je vais me remettre un peu dans les toilettes. Hein. Désolé, il faut que... Ah, je stoppe un petit peu, que je commence à lancer la commande de sushi. Et j'arriverai pas... d'ailleurs, F5, inventaire. Kyle, je suis à 2 secondes. Hein. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Mais on peut toujours. De toute façon, on avait dit qu'on passait d'abord par eux et puis on verrait après pour l'équipement. Ah, c'est ça. Je vais aller dire une connerie. Mais même, ça ne marche pas de l'habitude. Oui. Et même les. Même les. C'est un groupe criminel qui a pris qui a pris ses marques à Vinewood Hills. Tu prends ta carte. Ouais, tu vois les villas, bah, c'est là où il y a l'espèce de petit étang dans la boucle. Ça ressemble à un clic là. Oui. Bon, désolé d'avoir cette comparaison là, mais. Ah là là.
Hello, super raclette. Désolé, j'étais en train de faire des trucs importants comme commander à manger. Du coup, voilà. Je sais quand vous m'avez laissé en... Voilà, désolé, je me sens mieux. Est-ce que je peux vous aider hein? Bonjour. C'est Kyle. C'est pas le policier avant? Monsieur, attends, okay. Son collègue. Non, j'ai juste besoin d'un petit pansement au bras droit, s'il vous plaît. Je me suis juste égratigné dans la porte. Ouais, bien sûr. C'est comme si un peu trop carré, en fait. Ouais, comme ouais. Je passe un peu de travers dans les portes. Trop de muscles, faut arrêter de soulever de la fonte. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Oh, grosse couille. Entretenir. Les couilles ou les muscles? Ah, les deux. Ah, les couilles d'accord. À l'unicorne et les muscles avec les poids. Ah bah nickel. Hein. Eh oui. Moi c'est pareil, j'ai un petit bleu au niveau du bras. Si tu pouvais me mettre un peu de crème, oh, okay. Ok, je m'en occupe. Hein. Je te le tends. Merci. Hein. Allez. Hein. Qu'est-ce que vous avez foutu pour vous faire des bleus au bras hein? Y a un mec qui m'a poussé. Salaud. Oui. Allô. Et voilà. Eh bah merci. Ah bah de rien. Eh bah en espérant que ça se passe bien ce soir. Yes, bonne soirée. Hein. Allez, bon soir, ouais, bonsoir. Salut Julien. Docteur. Vous allez bien? Ouais. Je peux vous parler bah, deux secondes? Ouais, bien sûr. Du coup, vous avez ouvert ça vous dérange pas? Ouais, pas de soucis, hein, je fais pour cool, ça. Cool. Bah venez par là. J'ai des collègues sur un 10-26 qui m'ont rapporté que la triade vous avait dénoncé comme quoi vous étiez un cocaïnomane. Vous pouvez m'en dire plus? C'était rumeur. Hein. Ouais, j'espère qu'en tant que médecin, vous ne touchez pas à cette merde. Hein. Comment dire? On va dire, en fait, il y a Athénaïs qui est parti, du coup, je sais pas pourquoi, elle rage contre nous, et du coup, elle a balancé plein de fausses infos un peu transformées à tout le monde, et notamment la triade. Athénaïs. Athénaïs, hein, celle qui bosse au auto. Hein. Ah, d'accord. Mais elle arrête pas et je sais pas pourquoi parce que ces histoires là elles sont remontées hein, quand j'étais parti en hein, partie de l'île pendant une semaine et demie. Hein. Ah oui d'accord. Donc voilà quoi. Et, d'accord, donc, vous me confirmez, vous n'êtes pas consommateur. J'ai été consommateur, j'ai eu un instant de creux, hein, ce qui arrive oui. à tout le monde. Hein. Mais j'en suis sorti, je suis pas consommateur. Eh bah très bien. Bon bah ça me rassure. Hein. Voilà, c'est des fake news. Hein. J'en parle pas à tout le monde, hein, ni aux gens que je prends en entretien, parce qu'il n'y a pas besoin, mais voilà. Oui, je suis sûr, assez bien transparent bien sur l'histoire. Hein. Bon, bah parfait. Si vous prenez soin de vous, c'est le plus important, Dr. Maker. Voilà. Bon, bah je vous remercie. Je vous dérange pas plus, vous avez du travail. Et attendez, hein, la triade m'a dénoncé. Hein. Oui, c'est ça. Comme quoi, j'en prends en service. Hein. J'ai pas de confirmation. C'était pour voir avec vous... Parce que sinon, ouais. Moi, je peux dénoncer la traite pour les menaces de mort aussi. Hein. Ça va vite se régler, ça commence à m'énerver. Hein. Vous avez des preuves? Un SMS qui dit qu'un mec veut me planter. Hein. Et, vous pouvez me l'envoyer Non, mais une copie. Il y a d'abord... Attendez, je peux, ça vous dérange si j'appelle mon patron, hein, parce que là, ça me... Oui, je pense oui. Ça peut être pas mal. Allez-y, hein. allez-y. Il va être du bureau du poste, oui. Tombe pas dans les pommes, mais tu peux venir avec la SPD s'il te plaît, hein. J'ai encore des emmerdes. Hein. Ouais, ça marche. Oula. Enfin, c'est pas des emmerdes, mais apparemment la triade m'a dénoncé comme quoi que j'étais cocaïnomane à la SPD. Hein. Ah bon. Et bonjour messieurs. Bonjour. Eh oui. Ouais, du coup la triade m'a dénoncé quand d'ailleurs hein. C'était un peu plus tôt dans la soirée. Ah oui, d'accord. Et sur quelle fourre de bois c'était que des paroles en l'air, donc je préfère avoir directement avec Monsieur Maker. Mais s'il y a eu des menaces de mort de la part de la triade, venez porter plainte, Monsieur, Docteur Maker. Du coup, j'ai dit parce que ça m'a énervé. Hein, du coup, voilà. Mais Teddy a dit qu'il allait s'occuper de voir ça avec eux d'abord dans un premier temps, et si ça se calme pas. Venez au SPD pour porter plainte, tout simplement. Ouais, n'hésitez pas. Si vous avez une copie du SMS que vous avez reçu, je veux bien le recevoir. Hein. Bah, ça, faudra le faire au niveau quand la plainte se fait. Ouais, peut-être au moment de la plainte. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Bon, on attend votre plainte, Dr. Maker.
Donc voilà, après, donc moi je sais, hein, tout ça, ça part d'où? C'est parti des rumeurs là depuis le départ d'une de nos. J'ai balancé salariés. Tous les noms, hein, sans aucune race, hein, t'es dit. Hein. J'ai fait la plus grosse époucave. Hein. Ça roule, ça roule. Ah bah c'est très bien, il faut être une grosse poucave. Ah bah je suis une grosse poucave. Ça aide à faire avancer les enquêtes quoi. Ah bah tout à fait. C'est très bien. Nous on adore les grosses poucaves. D'ailleurs ah je oui. suis une grosse poucave. On adore. Ah oui. Et c'est important. Après on est speedy, c'est différent. Oui. Voilà. Mais voilà, c'est lié à des rumeurs qui ont circulé depuis quelques temps. On a fait un communiqué de presse par rapport à ça parce que c'est totalement infondé. Il y a eu certes... Je sais pas d'ailleurs si je peux en parler, Kyle. Moi, ouais, j'ai été transparent avec eux. Hein, genre, ok. Donc, je suis transparent avec tout le monde. Il y a eu pendant un temps consommation. Oui, mais si c'est réglé, moi ça me concerne pas. De toute façon, tant qu'on n'a pas de preuves, on va pas faire de poursuite judiciaire. Si du passé. Voilà. Moi, c'était juste pour m'assurer que le docteur Maker était en bonne santé et qu'il ne se détruisait pas la santé. Voilà. Oui. Faut qu'on y aille d'ailleurs. Oui, faut qu'on y aille. Allez. Allez, ça marche. Et au passage, si vous pouvez dire à votre capitaine de me passer un coup de fil, ce sera nickel. Le capitaine Parpin, très bien. Exactement. Et merci. Vous êtes le enregistré, ça me remercie de le rechercher après. Vous êtes le professeur. Teddy Jameson, oui. Teddy Jameson. Très bien. Et merci. Bonne soirée. J'hallucine. C'est des glands. Non, mais. Allez, racontez. Je peux porter plainte à Athénaïs contre Athénaïs, comme quoi elle est cocaïnomane ou pas du coup. Évidemment. Non, mais ok, alors je vais faire une petite annonce. Il se peut que pendant un moment, j'ai consommé un peu de cocaïne pour... voilà, parce que pour des raisons personnelles. Seulement, je sais pas comment, il y en a une qui l'a su, qui balance tout ça à tout le monde en disant que j'en prends encore tout le temps et que je suis tout le temps défoncé. Ah non, ça peut être simple à vérifier, hein, ou on peut te faire des prises de sang régulières. Hein. Bah, tu veux me faire une prise de sang si tu veux. Hein. Non, mais je m'en fous, en tu fait. Tu vas trouver du swag. Hein. Ah non, mais après, si jamais ils veulent vraiment qu'on fasse une enquête, un test urinaire, une connerie comme ça, on le fera. Il y a un marqueur du swag dans le sang. Je pense ça. Non, de la cocaïne. Ah non, du swag, putain, moi j'étais parti sur autre chose. Oui, tu es très sérieux, et là, moi, pas du tout. Oui. Enfin, si, mais avec légèreté. Mais c'est marrant quand même, elle traîne les gens dans la merde. Oui, surtout c'est marrant quand elle passe pas autre chose, quoi. Ah bah, non. Non. Mais, mais du coup, c'est marrant, c'est la triade qui porte plainte, quoi. Ils ont vraiment... c'est la triade qui porte plainte, c'est formidable. Et pourquoi ils portent plainte? J'en sais rien. Parce et c'est un gang en plus, enfin, les gars. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. Ouais, je sais pas. Ouais, parce que là, avec Monsieur Harding, ça s'est calmé les choses ou il est toujours aussi énervé là? Non, il refuse de soigner par. Et avant-hier, il m'a menacé de me planter, hein, donc ça va pas de ouf. Ouais, c'est après. Et je crois qu'il m'a menacé dans l'ambulance, mais c'est parce que j'en vais chier. On va l'inviter à aller se faire soigner sur une clinique privée à Vinewood ou machin. Enfin, voilà, non, mais là, c'est même toi en fait qui pourrais porter plainte pour diffamation, Kyle. Oui, bah limite, quand tu vas porter plainte pour l'autre truc, t'en profites au pire pour faire le deuxième dans la foulée, quoi. Bah ouais, mais si j'en ai consommé, si j'en ai consommé, je peux pas porter plainte pour diffamation, parce qu'il y a quand même un fondement, c'est pas fou. Hein. Bah après, oui, ça non, dépend là, si leur truc, parce que ce qu'ils disent, c'est que c'est toujours actuel, quoi. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que t'es tout le temps défoncé, donc si tu as moyen de prouver par test médicaux que une non, analyse, t'amènes l'analyse non ce n'est pas le cas. Pour dépôt de plainte, bien sûr. Voilà. Moi, ce que je te conseille, c'est le test urinaire, parce que ça remonte plus loin dans le temps. Donc, comme ça, au moins, ça permet de prouver que tu n'as pas pris de drogue sur une plus longue période. Et quitte à ce que ce soit fait sur une autre structure que la nôtre, pour dire qu'on n'est pas de bise avec toi, en fait. Ah bah oui, un labo indépendant, ça serait même bien. Même si, déontologiquement, on n'a pas le droit de mentir sur les résultats, évidemment. Écoutez, hein, j'irai voir... Du coup, dit, hein, j'attends que tu vois avec leur chef ou je vais quand même un de ces quatre et on s'arrange. Non, je vais quand même essayer de le voir, le moustique, histoire de voir en fait si ça vient d'eux ou si ça vient juste d'Athénaïs. Ça vient d'Athénaïs, on va pas se foutre la triade à dos. Bah, là, le flic a quand même dit, la triade a porté plainte, enfin a quand même dit, hein, que vous étiez un cocaïnomane à l'instant. Ouais.
Je te conseille, c'est de faire peut-être un test aussi, un prélèvement sur cheveux pour cela. A priori, t'as quoi? T'as 3-4 centimètres de longueur, ça permet de remonter à 2-3 mois dans le temps pour prouver que t'as pas pris de drogue depuis tout ce temps-là, comme ça. J'ai pas très envie. Je pense qu'on aura prouvé sur la durée que t'as rien pris. Non, non, mais juste une prise de sang, ça suffit. Une prise de sang, ça suffit, ouais, c'est clair. Pas besoin de remonter très loin. Ouais, mais comme ça, on prend une prise de sang dans la plante. De toute façon, il y a 2-3 mois, il y a eu consommation. Il va y avoir une stratégie. 24 ou 36 heures. Sur la cocaïne, non, c'est plus long que ça. Remonter sur plusieurs jours. Non, non, cocaïne, c'est plus long que ça. On est sur du. 2 à 4 jours dans les urines. Et oui, dans les urines. À partir de 24 heures dans le sang. Bah voilà, je pisse où vous voulez. Hein. Ryan, viens là, j'ai besoin de pisser. Va te revoir. D'accord. Hein. Oui, là, le corbeau est toléré. Hein. Pas ton père, envoie le chier. Donc. Oui. Je suis en train de regarder, de rappeler, je prends info parce que j'avoue que je suis pas ultra calé sur le sujet quand même. Tu peux aller à l'hôpital Viceroy, là, qui est du côté de la plage, ou t'as un hôpital là, aussi là, en face des bâtiments du gouvernement, comme ça. Alors, comme on... je vais pas faire tout un hôpital pour un truc indépendant. 24, dans le sang, moins de 24 heures, dans la salive, 24 heures, dans les urines, 2 à 4 jours, et si un usage intensif est quotidien pendant plusieurs mois, 10 à 14 jours. Vraiment, c'est... Mais si tu étais un consommateur... Sur les cheveux, ça donne pas? Ça donne pas. Mais si tu étais un consommateur régulier de ça, c'est-à-dire que dans les 4 derniers jours, tu en aurais sûrement consommé. C'était un peu la fiesta il y a 2 jours en plus, donc voilà. C'est passé quoi 2 jours? Oh, on est allé, c'est là où on est dans la mine. Ouais, non, bah ouais, on peut. J'étais dans la mine. Ah, le truc que tu m'as montré là, qui était glauque, qui faisait peur. Ouais, exactement. Oh, pff, j'ai jamais là-bas. Bah, en plus de pire, je suis poursuivi par un fantôme. Dès que mes otis arrivent, hein, je me fais désenvoûter. Je demande à ce qu'il y a clean l'hôpital parce que j'en peux plus. Hein. Pourquoi? Des fois j'entends mon nom qui parle. Et en plus, Ryan il a été envoûté, il a été possédé. Il m'a mais, non, mais non, mais j'ai pas été possédé, je voulais taper dans l'air et puis t'étais sur ma route. Ah, il t'a mis un coup de poing quoi. Ah ouais. Bon, ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas soigné par rapport à tout à l'heure. Non, mais c'est bon, hein, je suis soigné. Enfin, j'ai pas de soucis. Hein. Ah bah c'est bon alors. Ouais. Mais du coup, hein, sur les cheveux, c'est 90 jours. Non, mais 90 jours, je pense que c'est mort, hein. Oui. Je suis pas super fan. Hein. Non, bah c'est bien, mais non, non, un mais test d'urine déjà qui montre que justement, non, mais le but, c'est de montrer pas de blanche. T'as rien pris. Voilà, c'est pas ça. Blanche, c'est-à-dire hein. Que ça veut dire que tu oui. N'es pas consommateur régulier. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Exactement. Donc voilà, c'est on peut faire ça. On va aller voir le speedy, je peux t'accompagner là-dessus, c'est pas un souci. Et puis bah faut que j'arrive à appeler l'autre là. Je sais plus comment il s'appelle. Le chef des rouges. Tang Chang Ting Tong, un truc comme ça. C'est une syllabe. Non, Ancheng. Dit, il fallait dire Lanshrak, oui, c'est Ancheng, voilà. Au pire, si tu veux, je peux demander à Salvador Adink, il va répondre rapidement, je pense. Ah, putain. Mais non, mais lui, Ancheng, j'ai essayé de communiquer avec lui tout à l'heure, du coup, quand je m'en suis occupé. C'est un service de MS, on choisit pas le praticien qui prend en charge. Moi, je suis quand même d'avis, en attendant que ça se résolve, de visiter M. Harding et aller se faire soigner ailleurs. Hein. Ben, je t'avoue, quand on est arrivé sur l'intervention, j'ai vu, hein, il ne voulait pas que je touche. Ah non, mais il a le droit de pas vouloir se faire soigner par un tel. Nous, on n'a pas le droit de choisir nos patients. En revanche, les patients, s'il y a vraiment un quoi, que oui, autant refuser plutôt que ça se passe mal. Maintenant, l'entendre, mais pas en soin. Il faut rétablir la vérité. Il faut surtout rétablir la vérité. Il faut arrêter de faire une chasse aux sorcières sous couvert d'Athénaïs. C'est-à-dire, au bout d'un moment, elle est personne pour briser la vie de quelqu'un. Il faut arrêter. Ah hein. non, en plus, hein, c'est pas pour cafeter, mais je vais se balader avec du rouge Athénaïs. Hein. Oui, mais son mari, oui, on va parler. Bah ouais, son mari, il est chez les rouges, et donc du coup, elle se oui, bah du coup, c'est une fangirl, et puis. Ça tient d'ailleurs qu'elle vient 30 secondes. Oh, ça parle de rouge, oh, j'arrive. Ouais, tu veux que je porte du rouge aussi hein ouais. C'est parce que moi tout à l'heure, la machin, il m'a dit. Donc, c'est.
ces informations, c'est du pipeau. Il m'a dit oui, j'ai des informations sûres, comme quoi il achète régulièrement de la cocaïne. Pas du tout. Et du coup, je voulais savoir, c'était quand la dernière fois que tu en as acheté? Je sais même plus, hein. Ça devait être en fin début janvier, je sais plus. Bah, quand j'ai commencé à être suivi, quoi. Je pense que c'est un début janvier. Hein. Et ça marche. Oui, oui, c'est ça, ça marche. C'est quand que l'histoire avec un merde, l'histoire avec l'autre, elle a été résolue, là. Laquelle? Avec un... Comment il s'appelle, hein? J'oublie son... Will, hein? Ah. Il existe même plus, hein. Oui, c'était début janvier, c'était après le nouvel an, c'était ben, une voilà. semaine après, un truc ben, comme voilà. ça. Et ça a dû être une semaine après, j'ai arrêté. Hein. Ok, sans... oui. Ça marche. Oui, donc ces informations, c'est bien ce que je disais, c'est que ces informations, elles sont éclatées au sol. Ça marche. Donc voilà, c'était tout. Alors, on est d'accord, oui. Espèce de drogué, va. Quoi? Ah, je savais que tu te droguais à la fame, au pognon et aux anges, je l'ai arrêté, mais je savais pas que c'était la cocaïne non plus, ça. Ouais, t'es un droguelasse, hein. Oh là là. Je pensais pas qu'un collègue me dirait que j'étais un putain de drogué. Pourquoi t'as fait ça? Parce que suite au truc, hein, au truc des marins, là, j'ai demandé à... Ah, bon, je suis tombé sur le répondeur, j'ai laissé un message. Parce que suite à l'événement marin, j'ai eu un peu de mal, j'étais un peu tôt, enfin, je savais pas trop quoi faire, et bah, oui. ça m'a aidé, hein, et j'ai demandé de l'aide, hein, mais j'avais pas de Nimbar, du coup ça l'a pas intéressé la personne qui a dit qu'elle me prenait en charge, donc voilà. C'est qui? Un psy qui est plus là. Ouais, et puis, ah non, on prononce même plus son prénom du coup. Je l'ai oublié tout à l'heure. Hein. C'est Will. Mais non, c'est Will. Mais c'est vrai que Will, il n'a jamais reçu Kai pour. Ça, c'était à l'époque. Bah ouais, il avait laissé. Ouais. J'avais même dit sur l'intra psy que j'avais besoin d'un coup de main. Il a dit vas-y, je te prends en consulte. Et il a jamais. J'ai relancé plusieurs fois, mais il a pas voulu. J'ai dû attendre le retour de Sorcha. Hey, tu sais tout à l'heure quand on était au café là que tu t'es acheté à bouffer. Ouais. Ada. Ah. Oui. Oui, mais j'aurais dû en acheter aussi, oui. Ah, pardon. Oh, dire. Oui. On peut changer de contexte deux secondes, mais oui. Attends, est-ce que tu peux redire ce que t'as dit, ce qu'il faut faire quand on voit un bandeau genre prise d'otage Human's Labs par hasard à haute voix? Mais du coup, s'il y a un truc, on essaye de se rapprocher un petit peu et d'essayer de rentrer en contact avec le LSPD. Et s'ils nous disent que la zone n'est pas sécurisée, et ben, ils nous donnent une zone sécurisée un peu plus loin pour qu'on puisse intervenir rapidement, quoi. D'accord. Ouais, moi, je suis pas trop voilà. D'accord. Moi, j'attends l'appel de la police. Hein. Non, mais là, je vais voir déjà. C'est pour ça aussi qu'il faut que je joue avec la police parce que c'est pas normal qu'on soit au courant. C'est pas normal qu'on soit au courant par le live et pas par le LSPD, en fait. Ouais, mais 10 minutes après, on a eu l'appel justement de la police qui a permis d'y aller aussi. 10 minutes après quoi? Après le bandeau? Ouais. Après le bandeau, oui. Oui, mais c'est pas normal. Ça, oui. C'est... Ça, là, je suis d'accord avec Teddy. Oui. En fait, on aurait dû avoir l'information 10 minutes avant le bandeau. Moi, quand j'étais... j'ai l'impression de parler comme une vieille dame. Quand j'étais directrice agent des EMS sur cette longue période, là, avant, j'étais en contact étroit avec les EM. Et dès qu'il y avait un problème du genre qui se profilait, c'est-à-dire que même pas c'était en train de se faire, c'est ça allait se profiler sur la soirée. Et j'étais au courant dès le départ, de à peu près vers quand ça c'était susceptible de péter. Et dès que les opérations démarraient, il m'appelait. Pour pouvoir coordonner les équipes de soins, pour pouvoir être au taquet au moment où il fallait, quoi. Bah, c'est censé être la base. Mais on avait commencé à mettre ça en place avec l'ancien état-major. Et là, depuis un mois. Je pense c'est que ils ont changé plusieurs fois là, leurs EM. Leurs EM dedans, mais il y a eu plusieurs monteurs en grade, il y a eu pas mal de choses. Il faut le temps que tout le monde se mette en place, mais c'est important que le LSPD et les EMS arrivent à collaborer de manière étroite et rapide surtout. C'est important. Dans les soirées fusillades comme vous avez pu avoir la semaine dernière ou à la fin de la semaine, c'est important hein, de...
Pour moi, c'est toujours en lien avec le responsable d'opération. C'est-à-dire, quand il y a un truc, un problème comme ça, généralement, côté police, ils mettent en place un responsable d'opération. Et je pense qu'il faut effectivement que ce soit le responsable d'opération qui percute que, justement, dans son opération, il doit intégrer les EMS. Et même s'il n'appelle pas Teddy, genre si Teddy n'est pas là, il envoie un message sur la messagerie entreprise. Ah bah nous, on demande une notif entreprise. Oui, c'est ça. Nous, on s'organise derrière pour voir qui on envoie, oui. Okay. Mais bon, on leur demande de ne pas passer en direct. Parce que comme n'importe quel patient qui aurait besoin de nous, en fait, on leur demande de ne pas passer en direct pour éviter de qu'ils appellent 10 médecins avant d'avoir quelqu'un. Bah oui. Qu'est-ce que c'est dit, autre sens. Qui c'est qui avait raison hier? En toute modestie, hein, mais qui s'est fait rejeter par tous ses collègues parce qu'il disait que non, mais arrête. Parce que quand il y a eu le bandeau, il a voulu sauter dans son ambulance et partir. Et aller dans le coin. Je l'en ai interdit en disant on attend d'être contacté par la police. Moi, je pars aussi du principe que si on n'est pas contacté par la police, ils considèrent que la zone, justement, n'est pas suffisamment sécurisée ou, par exemple, qu'il n'y a pas de pourparlers établis pour envisager une restitution des otages. Et du coup, on ne sert à rien si on y va avant. Bah, si la zone est à 7 km, c'est bien d'avoir des ambulances. À part se mettre en danger. D'un principe, il est plus haut que toi dans la hiérarchie. Si oui, c'est ça. Que c'est comme ça, c'est comme ça. Ah bah, j'ai gueulé, mais j'ai écouté. Hein. Arthur. C'est ça, effectivement. Il a eu raison. D'accord. Il a essayé aussi d'argumenter avec ses arguments. Après, moi, j'ai pris la décision. 10 minutes après, on a eu le message. Et puis, j'ai envoyé Kyle et Sorcha sur place, qui étaient les deux plus expérimentés en cellule psy pour prendre en charge les otages. Donc, non, tout s'est bien passé après. Mais c'est vrai que sur le coup, il y a eu un flottement, effectivement, quand c'est sorti. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de dire si la police ne nous a pas contactés. C'est qu'elle estime effectivement que soit on n'en est pas à une phase d'envisager la sortie des otages ou que la sécurité n'est pas suffisante sur site. Et puis, j'ai quand même aussi eu raison vu que la police nous a contactés quelques minutes plus tard pour nous demander de venir. Ah oui, non, mais après, je ne remets pas en cause ta décision. Parce que je remets en cause. Les deux choses défendaient, c'est juste qu'il fallait en prendre un. Oui, après, oui dans tous les cas, il fallait faire un choix sur le moment. Il y a un choix qui a été pris, il a été suivi, du coup, tout s'est bien passé. Donc voilà. Dans la majorité des fusillades sur lesquelles j'ai dû intervenir, en général, les EMS arrivaient une fois que c'était sécurisé et qu'il n'y avait plus de tir. C'est-à-dire, une fois que vraiment situation calme, quoi. Attention, je parlais pas d'aller dans le teint, même à distance, en fait, tu sais pas si tu peux pas être pris pour cible, c'est techniquement non, mais enfin, les ravagés ça existe, hein, donc et ça, c'est des choses à mettre en place avec les EM du LSPD. Hein. Oui, encore faut-il qu'il y ait des trucs qui vont pas. C'est quand on arrive sur les scènes des fusillades, par exemple, quand on arrive après la police, moi j'aimerais bien que la police ait quelqu'un qui soit détaché pour nous prendre en charge. Ce soit la dernière fusillade qu'on a gérée. En fait, on était en train de remballer, on avait commencé à charger les patients dans les ambulances, quand j'ai un policier qui vient me dire qu'il y avait un quatrième site avec des victimes. Oui, non, mais c'est pour ça. Il y a la communication avec le LSPD en ce moment, elle est déplorable. Après, j'ai l'impression que le LSPD, de manière générale, est déplorable. J'ai le premier otage, je lui ai dit il y a combien de personnes à l'intérieur, il m'a dit le nombre d'otages, il m'a dit le nombre de braqueurs. Je lui ai dit tu l'as dit à la SPD, il a dit no way, ils me l'ont pas demandé. Voilà quoi, j'ai dû rappeler un Sorcha pour qu'ils le disent à la SPD, quoi. J'ai dû faire leur boulot. Ah. Hey. Non mais oui, mais c'est compliqué, oui. D'accord. Mais c'est pour ça, là, j'ai pas mal de choses à voir avec ça. D'ailleurs, l'autre qui me rappelle pas. Du coup, je vais devoir m'emmerder à chercher son numéro, là. Je ça reviens jouer aux toilettes. Hein. Est-ce qu'on sent la livraison qui arrive? Je vous abandonne pas tout de suite. Je quitterai le live vers 22h, un peu avant peut-être. Et après, je reprendrai bien sûr, comme d'habitude. Je reviens tout de suite. Ah, j'ai pas pris fort, hein, pourtant. Ah, bah, dis-toi, tu le touches sur chez moi, je le défonce. Ouais.
On vient de dire que Grove Street était indépendante, c'est une principauté. Est-ce que c'est pas trop la merde entre temps? Non, ça tout va bien. Est-ce que j'ai reçu des messages? Pas du tout. J'ai eu une putain d'idée. Personne n'est prêt. Pourquoi tout le monde part? On t'abandonne. Ah, ok. Non, je plaisante, on va faire le tour des entreprises. Ah, d'accord, ok. Très bien. Peut-être que je regarde des vidéos sur, sur l'hypnose. Elles sont lourdes, très lourdes, très lourdes. Putain. Bon, je vais faire ça. Oh là là. C'est vrai, je viens de me dire, j'ai proposé l'hypnose, je me suis même pas renseigné sur le truc. j'ai... Après, ah si, il y a un moment, j'avais regardé un peu des vidéos là-dessus, comment faire. Enfin, comment faire Mais il faut s'entraîner, hein, parce que déjà avec ma voix normale j'ai du mal, alors avec la voix de Kyle, laisse tomber. Hein. Il faut avoir un bon discours clair, précis, net, tout le temps, quoi. De rien. J'ai le droit, hein. Kyle est tellement pas beauf qu'il faut que je compense. Hein.
Bon. Les paupières sont lourdes, lourdes. Non, mais en plus, le truc con, c'est que mais il y a beaucoup de stimuli et. Voilà, ça marche. On entend dans le micro. Est-ce qu'on entend le clac dans le micro? Parce qu'en fait, aussi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de stimuli où tu fais genre top. Et là, vous entendez, mais en fait, pour parler en jeu, je dois toucher sur un bouton de ma souris. Du coup, c'est que de la main gauche. Mais la main gauche, j'arrive pas à claquer des doigts. Ouais, je m'ennuie. Mais non, mais je veux pas cliquer de la main gauche. En plus, ça, c'est trop bizarre. Attends, c'est comme ça. J'arrive pas à diriger du coup. Ouais, mais le truc, c'est que ça fait genre tu sens ta tête lourde, 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 lourde. Allez, top. Maintenant tu tombes un peu plus dans le sommeil, un peu plus dans le sommeil, tu vois. C'est genre... Ah, j'arrive, attends. Est-ce que vous voulez que mon stream se transforme en studio claquage de doigts ou pas? Il y en a un qui dit qu'il veut que ça se transforme en claquage de fesses, plutôt je tape. Ça, c'est droite, gauche, droite, gauche. Ah! Là, je commence à avoir les dents moites, c'est fini. Adieu. Pensez pour les sushis qui sont frais. Dans la sauce. Ah, mais par contre, j'ai. Ouais, c'est ça. Je vois bien pendant que je mange avec les baguettes, là, tu sais, tu tentes de faire... Par contre, là, j'ai une idée de move. J'ai très envie de le faire. Par contre, c'est mort RP de Kyle. On va voir, mais... Et en pleine réflexion. Je tease. En vrai, je suis plutôt content finalement. Il se passe quand même 2-3 trucs. Hein. C'est lui-même, le Salut, futur hein. Professeur. Exactement. Allez, comment tu vas, Kyle? Bien, et vous, hein? Eh, muy bien, muy bien. Bah super, tant mieux si vous allez bien. Nouvelle tenue, hein? Eh si, qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est bien, c'est bon. Classique, hein? C'est bien, c'est très bien comme réponse et ça me va. C'est super! Voilà. Je n'aime pas les choses trop extravagantes, tu le sais quand même, hein. C'est pas nouveau. Non, je sais, hein. T'aimes le bleu, hein, mais de manière sobre, le bleu sobre. Palais, c'est tout à fait ça. Voilà. Palais, en tout cas, moi, je suis venu, je me suis fait une petite blessure là, sur les chevilles gauches. Si tu lèves un tout petit peu le pantalon, tu vas voir. Ah ouais. Ah ouais, en effet. Hein. Ça va, c'est une toute petite, hein. Tu c'est tout léger, petite égratignure là et... Okay. Mais bon, je me fais soigner quand même.
C'est une blessure de Marado douce. Hein. Oh, oh je... celle-là, écoute, c'est calme, elle est technique, valide, et... elle est technique, mais elle est bien. Vous, non, savez, non, mais... vous savez, quand je l'ai déjà dit à d'autres, ils ont dit, ne le dis surtout pas. Hein. J'ai fait, ok, je vais le tenter mais quand même. Pourquoi ah, si, quand même. Il y a, quand même. Quand il y a le contexte, pourquoi pas. Ah ouais, non, ouais, là, j'avoue. Non, mais ok. C'est oh, bon, non, et puis, c'est... je veux bien. Non, il y a les hermanos, mais eux, ils se sont pris des pains dans la gueule accidentelle. Non, moi, il y a un minuscule hermano qui m'a mis un pain dans la gueule, donc et je pense que j'ai dû prendre un ou deux coups de poing et dans le bide. Attends, attendez, tout le monde a parlé. Qui s'est fait taper quoi? Alors moi, il y a un minuscule moineau qui m'a effleuré l'arcade. Ouais. Comment un moineau peut effleurer l'arcade hein? T'as fait Blanche-Neige hein? Faut demander au réfet. Ah, d'accord. Ok, alors je mets un peu... 1, 2, crème. Allez. Ah, nickel. Voilà. Super, merci Kyle. Ah bah de rien, meilleur MS. Hein. Bah oui. Et du et coup, si, là c'est peut-être bon. Qu'il n'a juste pas envie de rebondir là-dessus. Ah, j'en ai raté une. Si tu l'as raté, moi je l'ai trouvé drôle encore une fois. Ah, et bonne ambiance ce soir un peu partout en ville, je trouve. Hein. On a fond, et... hein. On a fond. Et, voilà. Et grâce à ce merci. Ah, je trouve, il y a une humeur, et je sais pas l'expliquer, là, ça a l'air bien ce soir. Et... Des bonnes vibes, hein. Après des jours nuls, hein. Des bonnes vibes. Si, je sais. Il était temps. Ah, je pense là, d'ailleurs, si, même pour vous, ça va être plus calme ce soir normalement, non? Nickel. On va l'apprendre. Ou alors ce sera pas nous. Bah, c'est calme en ce moment en tout cas. Et reçu. C'est vraiment, on est là tranquille, on fait le monde, nanana. Et si. Il y a juste les rumeurs, si. Mais c'est tout. Quoi. C'est, tout va bien. Sinon. Bah, allez, de toute façon, tu es toujours le meilleur médecin. Exactement. Bah, allez, aucun doute. Hein. Tout va bien alors. On a rien à changer. Bah. Rien n'a changé, c'est bien ça le problème. Un jour, j'aimerais bien changer de couleur de chemise quand même, mais... Ah, on va attendre. Je vois de quoi tu parles. Exactement. Je vois les couleurs de la chemise que tu vises. Je les vois d'ici. Ouais, ouais, totalement, ouais. T'es sûr que les rouges, ça t'irait si bien que ça? Alors, ça me va pas spécialement, mais je fais des efforts pour, pour CP, la profession. Interminable. Je comprends, je comprends. C'est vrai que, regarde, ce petit bleu là que tu as, un peu bleu marine, est pas mal, hein. Après, j'ai un autoportrait de moi en chemise rouge. Hein. Je trouve que ça me va pas si mal en fait. Je trouve que la chemise en bleu clair t'allait mieux quand même. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai testé la chemise rouge pour Mardi Gras. En fait, ça m'allait quand même. Hein. Ça faisait plus sérieux. Ah ouais? Ouais, je suis arrivé déguisé comme ça, mais je suis resté 30 secondes. Après, Teddy m'a dit d'aller me changer. Hein. Il a pas aimé? Pas trop. Ouais, je pense qu'il a pas dû kiffer la plaisanterie. Après, et d'ailleurs, c'est quoi les différences entre le bleu clair là, comme et vous? Je sais pas. Les grades seulement. C'est infirmier c'est et nous on est interne. On est au-dessus. Oh, putain. Oh, ça c'est beau ça. Interne. Et ouais. Ben, tout de suite, et là tu en imposes, hein, je te le dis. Hein. Ouais, mais j'en ai toujours imposé, hein. Ça fait longtemps que je suis interne. Oh, c'est vrai? Bah ouais. Allez. J'ai été un peu plus long que les autres hein, parce que ça a été retardé suite à notre dispute. Hein. Mais sinon, ça fait longtemps maintenant. Mais c'était reculé pour mieux sauter. Je pense que je suis interne. J'ai été interne avant toi. Mais toi, t'étais interne quand j'étais un stagiaire, alors forcément. Hein. Oui. Je pense que j'ai toujours été interne depuis que t'es arrivé. Nico, il est né et il avait une chemise bleue. Hein. Ah, ok. Et Nico, il est né et... Il était comme ça, ouais. comme il est là, il a les mêmes corps, tout ça, rien n'a changé, il est sorti comme ça. Avec un stéthoscope, je vais réussir à le dire autour du cou. Et peut-être. C'est que le stéthoscope qui te choque. Moi, c'est plus le chemin de sortie, moi. Ouais, mais moi, je peux mettre ça. On revient aux EMS, incapacité. J'y connais rien, ça. Tu sais pas comment on fait les bébés, hein. Ça risque de changer. Bah, tu sais comment les bébés ça sort hein. Bah si quand même. Oui. Bah du coup si le bébé fait la taille de Nicolas. Hein. Bah il faut une cigogne un peu plus balèze. Ah ouais. Oh, là... Attends, t'es mal à la taille de la daronne. Hein. Les blagues sur les mamans elles ont été faites pour Nico quoi. C'est vraiment elle tombe des deux côtés du lit quoi. C'est. Ok. Ah ouais, là ça part un peu violent là. Je s'appelle pardon, mais je m'en vais. Hein. Pauvre Nico. Oh là là. Ou les mamans, je sais pas. Je sais pas qui est le plus à plaindre. Donc,
Allez, buenas, à la prochaine. Ouais, bonne soirée. Et merci. Oh, elle a marché sur le bureau. De quoi? Elle a marché sur le bureau, elle va prendre la fessée. Attends, je vais me mettre là exprès. Si, interdiction, on fait la barrière. Attends, je crois qu'ils partent en opération, non? Ouais. Ok. Bonne raison. Ouais. On marche pas sur le bureau de barrière. Non, non, le bureau. Hein. Ce qu'elle dit, hein. Non, non, le bureau. Hein. Attends, elle met du temps à changer, elle est en train de se pomponner en même temps, quoi. Je vais pas faire d'amalgame, hein. Et tu mais... sais à quoi j'ai pensé? De quoi? J'allais dire résumé, c'est une femme, mais... c'est des amalgames, ah ouais, c'est chiant. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est nowhere. Mais du coup, le truc, c'est que c'est contredit par toi, je pense. Parce que tu dois passer un temps fou dans la salle de bain. Ben, une à deux heures. Hein. Voilà. C'est ce que je disais. 5 et... minutes, ça suffit un peu. Bon. Ouais, toi, ça se voit, ouais. Mais moi, tu trouves pas que ma place est perdue, hein. 5 minutes dans la salle de bain, mais après, bon, la couleur, c'est un peu chiant, ça. Ah ouais, la couleur. Hein. Bah ouais, hein, faut entretenir. Hein. Tu mets un petit masque. Ouais, ouais, mais je pense souvent. Que... bah, j'essaye de faire de temps en temps, quoi. Je fais pas tout le temps. Mais, et vu que c'est une couleur flashy, ça se voit pas qu'il y a des racines qui. Oh! Non, 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 ah, le bureau. Ouais. Non, non, le et bureau. Ouais. Et ouais, comment ça, non, non, le bureau? Non, non. Ah, Maria, elle dit non, non, le bureau. Passée. Après, ça, ça, le pot. J'ai tenté la rime, c'est raté, là. Ok, je vais prendre la porte, du coup. Ouais. On fait blocus à ma personne. Ouais, Nono le bureau, Teddy l'a dit aussi. Sinon, hein. Déjà, t'es passé tout à l'heure par-dessus. Hein. Normalement, ça mérite la fessée, donc... What? Alors, non. Alors, moi, je mets pas de fessée, hein, mais je dis Nono. Ah, bon hein. Oui, ah, la fessée par Teddy, bien sûr. De travail dans les prochains jours. Personne ne touche à ce cul. Personne, personne. Quoi, à ce cul? Hein? Elle a dit personne ne touche à ce cul là. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, ouais, mais c'est une soirée normale aux OMS. Hein. Et c'est les gars, attouchement sexuel, c'est interdit par la loi. Hein. Calmez-vous là. Mais c'est Nicolas, il voulait lui mettre la fessée. Hein. La journée, mais... oh, là, là. Il voulait lui mettre la fessée sur le bureau, si j'ai bien compris. Hein. Mais bon, ah ouais, pas de rumeur. Hein. Toujours plus, toi. Jamais. Bon, les gars, tranquille. Vous avez pas des mêmes qu'à l'entraînement pour un. Alors, Nicolas va se mettre à quatre pattes sur le bureau et prendre la fessée, si j'ai bien compris. Nickel. Mais le dis à personne, faut pas faire de rumeur surtout. Ah si, bien sûr, je peux tout crier sur tous les toits. Petit nettoyage. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, bah oui, bien sûr. Bah tu comprends bien, après l'effort, il faut nettoyer. Ah bah d'accord. Là, sinon. C'est gentil, hein. Aïe. Et au fait, Kyle. Ouais. Ça fait Nico. Combien de temps que t'as pas pris une serpille? La dernière fois que j'ai essayé, j'ai glissé, je suis tombé. Ouais, mais non, c'est vrai, c'est la dernière fois qu'il a essayé, il était en train de nettoyer mon vomi, il a vomi par-dessus, il a glissé, il est tombé dans son vomi. Ah, et dans mon vomi. C'est vrai. C'était très drôle. Et depuis... c'est qui a nettoyé? Le vomi? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, j'étais trop bourré pour m'en souvenir. Je suis désolé, Nicolas, mais en fait, j'ai un traumatisme depuis, je peux plus tenir une serpillière. Merde. Ah, bah, ouais, tout pareil, depuis, par contre, on va pouvoir lui donner une éponge. Bah, une éponge et un balai brosse. Ah non, mais ça me fait tout aussi peur. En fait, tout ce qui a rapport avec le nettoyage, ça me fait tout aussi peur. Non, bah, toujours plus. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est nowhere. Ah, je comprends, nettoyer mon vomi, c'est pas facile. Ouais, c'est parti. Bon, allez, j'y vais, je vous laisse. Très bonne soirée. Bonne soirée. Hein. Et fais attention à toi et fais attention aux carrosseries. Oui, toujours. Allez. Rebonsoir. Hein. Ça va. Ouais, ça va. Et bonsoir. Juste quelqu'un qui a fait un gros accident. Il a le téléphone dans le café. On dirait qu'il le lit comme une boîte de céréales. Hein. Oui, c'est je disais les apports caloriques. Voilà. Je fais attention. Faire oui. Attention. Et je peux vous parler juste une petite seconde. Oui, bien sûr, oui. Ouh, ça fait des messes basses. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est là pour un prévenu qui était en sultan verte, un afro-américain avec un bandana vert qui est arrivé il y a quelques minutes. D'opération. Eh bien, on va l'attendre. Merci beaucoup, docteur. Pas de souci. Dès qu'on a plus de nouvelles, on vous le transmet. Très bien, je vous remercie. Pas de souci.
Et ben, bonne soirée. C'est possible. Bonne soirée. Au revoir. Comment ça va? Je sais pas ce que j'ai là. J'ai fait la marade douce, ils ont rigolé. J'ai envie de faire des câlins. Là. Ah, bien. Bien. Et ouais. Salut Arthur. Et tu vois, ça me va. Et ça va bien. Il me va plus du tout. De quoi il te va plus du tout, hein? Regarde, mon avant-bras. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'as foutu, hein? Moi, ça fait ça la première fois que j'enfile une nouvelle chemise. Puis après, j'ai trop gonflé les avant-bras, là. Il faut arrêter la musculation. Ah oui. J'ai trop soulevé de personnes. Trop de sport. C'est la raclette de Gavin, ça. Bon, enfin, la raclette, elle se plutôt dans le bide que dans les avant-bras. Ah bah, enfin, des gens qui m'écoutent, hein. Ouais, n'empêche, il y a quand même un gros cul. Ça change pas. Mais faut le motiver, hein, c'est bien, c'est positif. Hein. Ah ouais, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour faire un petit point de don du sang? Un point de don du sang? Ouais, bah faire une petite opération en ville, ambulances, oui, ça, tout ça. J'allais dire un point, oui, c'est fait. Mais d'accord, oui, ouais, bah chaud, ouais. Ok. Vous voudriez aller où? C'est pas un endroit où... assez spacieux, peut-être. Vous parlez de quoi, là? Est-ce qu'on peut faire ça? Savoir s'il y a un lieu privilégié pour aller faire un don du sang, là. Ah, ça serait cool, ça. Bah, ouais. En vrai... Ouais, sur le parking de la jetée d'El Perro, non? Ouais, je veux dire, c'est à côté de la salle d'arcade. La place des cubes, mais oui. Après, oui. La place des cubes, c'est facile, c'est à 30 mètres d'ici. Ah, sur la jetée, oui, ça peut peut-être... Ouais. Bah, si tu veux, je demande à Céline si ça les gêne. Et s'ils me disent OK, on prépare ça. Et... Bah ouais. Après, on envoie un petit message au live pour demander un bandeau, oui. Ouais. Combien d'ambulances? 2 ambulances, pour moi, c'est 2 à 3 personnes, quoi. Et... Moi, je vais t'attarder à prendre une pause dans le service, hein. Je reviendrai tout à l'heure. Ok, je demande à Céline si ça la gêne, ouais. Sur le principe. Ok. On peut faire ça au auto ou devant le U, enfin voilà quoi, les classiques. Je pense à ça, quand est-ce que ça vous irait pour faire l'élection représentant du personnel? Bah, le mieux, ça serait pendant une réunion, non? Bah ouais. Ah hein. Oh bah oui. Bah comme il y a un candidat, on va faire un vote à main levée, ça sera mieux. Oui. Oui, c'est est-ce que quelqu'un, ça va surtout, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Voilà. Bah en soi, suffit qu'il y ait une personne qui dise, tu sais, le jour de l'élection, qu'il se représente aussi, voilà. Mais sinon, là, actuellement, s'il y a que moi, bah, c'est soit oui, soit non, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça sera à l'ensemble du personnel hors direction de décider s'ils veulent... s'ils ne veulent pas que ça soit toi, s'il n'y a personne qui se manifeste, et ben ça sera toi, quoi. Pour le rattrapage, il faudrait quand même mettre un message, si on le fait lors de la réunion, pour ceux qui n'étaient pas là, faire un message pour qu'ils répondent aussi, parce que ce serait bien d'avoir tout le monde, quoi, d'avoir toutes les réponses. Ah ouais, on peut mettre un message dans l'intranet et qu'on vote dessus, hein, genre le vote en ligne. Ouais, tu mets coche vert ou coche rouge, mais après c'est mieux quand même à bras levés, d'en discuter, etc. Ouais, que tu puisses faire un petit discours, hein, tout ça. Ouais, wow. Je pensais pas à ce point-là, mais bon. Bah si, hein, tu dis, moi je suis là pour remplir les patronats, j'ai tous les défoncés, hein, comme ça, tu vois. Les agents dans le hall, ils ont eu des soins, hein. Ah putain, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que j'aille chercher à bouffer. Ils attendent le prévenu. Bah, tiens, je fais un call radio. Je fais un aller-retour pour l'opération. S'il y a le capitaine, il y a quelqu'un qui reste dans le hall ou pas? Moi, je vais rester dans le hall. Ça marche. S'il y a le capitaine par qui arrive, je lui dis que je reviens tout de suite. Pas de soucis. Dès que vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à transmettre à vous. J'ai pas du tout entendu ce qu'il a dit, du coup. Je vais me reposer dans la salle de pause. Je vais rester... Non, c'est juste, il a dit, si le capitaine Parpin vient, dire qu'il arrivait très vite. Ok.
Je vais me reposer dans la salle de pause, hein. Du coup je reviens vers okay. 22h45, un truc comme ça. Ouais, bah pas de soucis, ça marche. Okay. Kyle, fin de service. Hein. Hey, très bonne fin de service à toi. N'oublie pas le dispatch. 04, très correct. Je vais tenter, hein, si le hacker fait pas n'importe quoi. Teddy, tu seras là à 23h ou pas hein? 43. Il y a de fortes chances, oui. Ok. Bon. Fin de live pour moi, pour maintenant. Le 100e live sur Kali. C'est beau, putain. Je vais chialer. Écoutez, on se retrouve dans une heure environ. Pour une petite pause. Et je reviens, du coup, tout de suite. Enfin, tout de suite, bientôt. Je vais laisser un peu tourner en fond la vidéo d'intro, comme ça, si vous voulez revenir... vous pourrez voir un peu d'autres clips. Je vous laisse là-dessus. Écoutez, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à follow si ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, encore une fois. Pour parler un peu de RP de temps en temps. Pour entendre des trucs. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Tu m'as trompé, t'as cru que j'allais pas capter. T'as changé de parfum, numéro, comme si par les keufs t'étais recherché. Apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vie. C'est comme ça, nous deux tu peux oublier. Je pouvais d'être pour toi, mais tant pis, tu m'as pas aidée.